Regarde, si tu m'entends. Un, deux, test. Ça fonctionne.
Bon samedi soir, mesdames, messieurs. Merci de nous accueillir chez vous pour cette rencontre entre les Griffons du Cégep de l'Outaouais et les Filons du Cégep de Thetford. Mon nom est Mario Royer et j'aurai le plaisir de vous décrire toute l'action de ce match. Les deux équipes qui se sont affrontées pas plus tard que dimanche dernier, alors que les Filons l'avaient emporté 5-2. Autour donc des Griffons, de rendre la politesse aux Filons et de les visiter. Et ce ne sera pas pour le seul match de ce soir, puisque les deux équipes se rencontreront dès demain après-midi à nouveau. Donc, deux matchs en moins de 24 heures opposant les Griffons aux Filons. Les Filons qui sont installés au premier rang du classement en vertu de 21 points en 13 matchs. Une fiche de 10 victoires, 2 défaites et 1 revers en prolongation. Les Griffons, eux, viennent en 10e place avec 13 points, soit un dossier de 6 victoires, 5 défaites et 1 défaite en tir de barrage. On s'installe déjà pour la présentation des alignements de départ des deux équipes. Allons-y d'abord du côté des Griffons de l'Outaouais. Tout d'abord, en attaque pour les Griffons, le numéro 9, Christopher Talbot. Le numéro 16, en défensive, Noah Cousineau. Il y aura le 26, Pierre-Olivier Gagnon. Le 44, Hugo Boucher qui prendra place à la ligne bleue. Et le trio qui sera en attaque sera complété par le capitaine, le numéro 89, Mathis Paris. Tandis qu'on va confier le filet au numéro 31, Mathis Lafontaine. Chez les Filons maintenant. On va y aller tout d'abord avec le numéro 12, Mathieu Nadeau, en compagnie du numéro 28, Vincent Boulet. Il y aura également le 68, Benjamin Simoneau. Et les deux arrières seront tout d'abord le numéro 78, Justin Dufour, en compagnie du 79, Simon-Olivier Mainville. Et devant le filet, on prend confiance au numéro 30, Tyler Medina. Medina avec une fiche de 5 victoires, une défaite depuis le début de la saison, une excellente moyenne de buts alloués de 1,67, moyenne d'efficacité de 944. Et son vis-à-vis, Mathis Lafontaine, qui a cumulé une fiche de 3 victoires, 3 défaites, 1 revers en tir de barrage pour une moyenne de 2,29 et une efficacité de 932. On écoute l'hymne national. Alors voilà, un match a été complété aujourd'hui dans le circuit collégial Division 1. Les Genois du Collège d'Alma qui ont pris la mesure des Nordiques du Collège Lionel Groux par la marque de 4-2. Et il y a un autre match qui a débuté il y a quelques instants également en première division. Et les Lions du Cégep Champlain-Saint-Laurent mènent 1-0 sur les Gaillards du Cégep de l'Abitibi. Alors qu'ici, on s'apprête à entreprendre ce match. On vous le rappelle, le premier de deux entre ces deux formations qui vont se retrouver dès demain après-midi. Les Filons, rappelons-le, qu'ils l'ont emporté 5-2 dimanche dernier au domicile des Griffons. Voyons ce qu'on nous réserve pour le match de ce soir. Et on s'installe pour la première mise en jeu. Ce sera entre Nadeau et Talbot, on vous souhaite une bonne soirée. Mesdames, messieurs, c'est parti. Et au départ, disque saisi par les Filons. Au centre, déjà Simoneau qui trébuche. On avait perdu son bâton du côté de Talbot, le récupère, alors qu'on va tenter la sortie de territoire
chez les Filons. C'est fait jusqu'au centre. Disque récupéré par Boucher, par la rampe pour son coéquipier Talbot qui va retourner le disque jusqu'en territoire des Filons. Remise du gardien Tyler Medina à l'intention de son défenseur, mais pris par surprise par le capitaine Paris. Condel qui va contourner le filet. Ce sera l'intention de Justin Dufour cette fois. Aussitôt plaqué par Paris. Incursion également de Talbot, mais il n'a pu saisir le disque. Ce sera fait par son coéquipier. Le tir de Fortin par-dessus la cage, cependant. Les Griffons qui attaquent le territoire Tedfordois dès le départ. Sortie du disque jusqu'au centre. Et Nadeau va pousser à l'autre bout avant de rentrer au banc des siens. Bousculade entre Nadeau et Talbot. Talbot sera chassé, oui. Il a poussé le bâton de son adversaire. Et aussitôt, on a vu l'officiel lever le bras pour obstruction, indique-t-il. Oui, Talbot qui va rentrer au cachot. Punition qui survient à la 51e seconde du match. Et déjà, ça va procurer un avantage numérique aux Filons. Un avantage numérique qui fonctionne bien pour les Filons. Ça se situe à 25 % depuis le début de la saison. Donc déjà, on va mettre à l'épreuve l'unité défensive des Griffons en ce début de match. Et on y va avec le gros trio en attaque chez les Filons. Celui composé de Aubert, Dufour et Goulet. On est derrière le filet du gardien La Fontaine. Relais par la rampe. Ça ira jusqu'à Chapdelaine au point d'appui. Un tir, c'est dévié devant le filet. Hors cible cependant. Le retour appartient à Justin Dufour. Dufour se déplace le long de la ligne bleue. Un tir dévié et ça va bondir dans la poitrine du gardien La Fontaine qui ne cède aucun retour là-dessus. 1 minute 11 d'écoulée à ce match. Déjà avantage numérique, Tedford, il y a 19 secondes d'écoulée à l'infraction décernée au numéro 9, Christopher Talbot. À la mise en jeu, c'est remporté par les Filons. C'était au dépens de Chénard, la rondelle qui va se déplacer d'un coin à l'autre, puis au point d'appui. Chapdelaine, la remise dans le cercle de mise en jeu, ça lui revient. Chapdelaine, à nouveau, en position du disque. Cette fois, opte pour une remise dans le coin à Aubert, qui va lui retourner. Chapdelaine, toujours, perd son capitaine Aubert. La remise dans l'enclave pour Justin Dufour. Il y a un joueur des Griffons Boucher qui a perdu son bâton là-dessus, va rentrer au banc des siens. Ça va permettre à son entraîneur Maxime Villeneuve-Ménard d'apporter des changements à sa formation. 1 minute 10 à l'avantage numérique Tedfordois. Remise arrière de Dufour à l'intention de Goulet. Entrée de territoire réussie. Le Chapdelaine à Dufour tente d'attirer un joueur à lui avant de relayer à Goulet qui va lui retourner. Dufour à nouveau devant le filet pour son capitaine. La remise, c'est le but. Aubert qui a tenté de remettre à Mathis Dufour, mais ça a touché quelqu'un devant le filet. Et Aubert va ouvrir la marque en avantage numérique à 1 minute 58. Donne les devants aux siens. 1 à 0 Tedford. Punition qui aurait été coûteuse. Il restait 54 secondes à la punition de Christopher Talbot. Et les Filons s'inscrivent à la marque. On attendra la confirmation, mais tout indique que c'est Aubert qui sera crédité de ce but. Jamais un mauvais jeu de tenter une remise devant le filet. On voyait rejoindre son coéquipier Mathis Dufour, mais c'est plutôt toujours un adversaire pour se retrouver derrière le gardien Mathis Lafontaine. Territoire neutre. C'est ce qui est saisi par Gagnon, aussitôt perdu par celui-ci. Bizier tente de récupérer chez les Filons. Ça ira jusqu'à Vincent. Tire de loin. Derrière le filet, ça longe la rampe. C'est récupéré par Tedford. Bataille dans le coin. Ça va mener à la sortie du territoire chez les Griffons. Touché cependant au centre et ça va profiter au Filon à nouveau. Rondelle qui, cette fois, ira jusqu'à Dion. On va tenter la sortie du territoire. C'est neutralisé au centre et récupéré à nouveau en défensive par les Filons. Vincent, un tir du revers. Ça ira à la gauche du gardien puis derrière son filet. Retour dans le coin. Fauché qui quitte son poste de défenseur pour appuyer l'attaque. On est à 4 le long de la rampe pour la position du disque et ça reviendra en direction du capitaine Paris. Paris qui est aussitôt frappé par Gauthier. Eu le temps de faire la remise à son coéquipier Lemay, mais le disque est toujours demeuré en territoire des Griffons. En fait, cette fois, c'est Fortin qui va attendre la sortie. Remise arrière cependant et en direction de Paris qui ne peut contrôler. C'est Fortin qui va aller chercher le disque derrière le filet ennemi. Bataille derrière le filet. Maintenant, Fortin qui est plaqué. Tentative de dégagement qui est annulée à la ligne bleue par Cousineau. Son tir dans l'enclave. La rondelle est libre au vol et ce sera maintenu par Boucher à la ligne bleue. Un tir et Medina va mettre une fin à cette menace ou à tout le moins début de menace des Griffons.
va préférer une remise en jeu dans son territoire. Le premier but des Filons inscrit effectivement par le capitaine Nathaniel Aubert. C'était son cinquième de la saison. Des mentions d'aide à Mathis Dufour et Justin Dufour. Donc, les deux coéquipiers de Aubert qui participent au but. Dégagement, ce sera accepté. Boucher. La remise qui est interceptée par un rival. Un tir qui provenait de Nadeau, bloqué par Lafontaine. La rondelle toujours en jeu. Ça ira à la ligne bleue vers Huppé qui rate son tir et réussira cependant à remettre à Mainville. Autre tir et le retour qui est concédé par Lafontaine. Les Filons qui menacent, qui attaquent le territoire adverse. Goulet veut remettre à Nadeau. C'est fait. Nadeau virevolte sur lui-même. Tente de protéger le disque. Il le retourne dans le coin à l'intention de Boulet qui va s'en saisir maintenant. À Huppé maintenant. Permutation avec son coéquipier Mainville. On retourne le disque dans le coin. Qui sera là le premier? Cousineau, aussitôt frappé par Boulet. Nadeau travaille le long de la rampe avec un coéquipier. On refile à la ligne bleue. Et à Mainville, tente de déplacer un rival. C'était Bastien qui lui faisait face. C'est récupéré maintenant par Martine. Martine, un long détour. La remise est bonne pour Bastien. Aussitôt arrêté et rappelé au banc par son entraîneur. Des changements complets. D'abord chez les Filons et d'autres également en cours chez les Filons. C'est Gagnon qui a tenté de récupérer le disque, mais en vain. Contre-attaque Fortin. En direction de Girard, c'est intercepté. En chutant, Fortin remet à Girard derrière le filet. On veut remettre, c'était Julien qui a tenté de rejoindre un coéquipier, mais contre-attaque de Aubert rapidement. Aubert qui tente de contourner le défenseur adverse, se retrouve derrière le but. Ça lui revient de la part de son coéquipier Mathis Dufour. Gagnon maintenant. Gagnon du revers. Ça a été touché par Girard. On est à trois maintenant dans le coin. Rondelle immobilisée entre plusieurs patins. Aubert tente de le remettre devant. C'est fait. Le tir de Mathis Dufour est au contact de deux bâtons. La rondelle qui quitte momentanément la surface de jeu. 5 minutes 6 découlées à cette première période. Les Filons qui ont pris les devants 1-0. Les Filons qui partagent le premier rang du classement. Un classement où il y a congestion au sommet. On pourra vous en faire part dans quelques instants. Mais les Filons sont quand même premiers puisqu'ils bénéficient de quelques matchs en main sur les rivaux avec qui ils partagent ce premier rang. Ça ira à Dufour, à la ligne bleue. Puis le tir de son coéquipier, ça rate le filet cependant. Ça provenait de Mathieu. Félix Mathieu qui n'a pas disputé plusieurs rencontres cette saison. Fait face maintenant à Pierce Lance. Pierce Lance entraîné dans le coin. Rondelle qui est libre et récupérée par Dion. Ça ira maintenant derrière le but. Intercepté et le tir, un bon celui-là de Parent, ça a donné du mal au gardien Medina qui a réussi néanmoins l'arrêt avec le bouclier. Ça se poursuit en territoire Tetfordois. Gagnon plaqué, la marque qui retourne le disque dans l'enclave. De là, c'est le dégagement jusqu'au centre. Repris par Aubert qui va aussitôt rentrer au banc, rappelé par son entraîneur Martin Bernard. Ça va permettre aux Griffons de s'installer et de s'organiser pour la sortie de territoire. On prend son temps de l'arrière du filet. La marche. Une remise qui était un peu derrière le joueur visé, Lemay. Finalement, c'est Paris qui va se contenter de retourner le disque derrière le filet ennemi. C'est libre jusqu'à ce qu'on réussisse à récupérer. C'était de la part du 26, Pierre-Olivier Gagnon. Un tir. Goulet maintenant le long de la rampe à la marche qui va conserver l'attaque en vie de la part des Griffons. Remise arrière à Paris. Tente de protéger le disque. Travailler sur son revers. Gagnon, dans le cercle de mise en jeu. Tente de décocher un tir. Ça a été bloqué en défensive. Le retour appartient cependant à son coéquipier, capitaine Paris. On se met à deux pour tenter de lui soutirer le disque. Rondelle immobilisée. Finalement, ça se déplace quelque peu. Et c'est Paris qui va gagner la bataille. Réussit à reprendre le disque. Il le refile à son coéquipier Gagnon. On l'a accroché. Il n'y aura pas d'infraction cependant. Rondelle qui est toujours en territoire des Filons. Et de là, on va dégager jusqu'au centre. Rondelle qui est reprise par Talbot. Talbot, pour chasser seul de son camp, il y avait des changements en cours au banc des siens. Rondelle qui revient à Fortin. En se retournant, ça a été dévié par Vincent, derrière la ligne des buts. Vincent, par la rampe, tente de dégagement. Et oui, la rondelle qui a quitté de peu le territoire Tetfordois. Jeu à retardement annulé avec la sortie des deux joueurs des Griffons. Pendant ce temps, on va tenter d'organiser la sortie chez les Filons. La rondelle qui va se retrouver au banc de l'équipe. J'en profite pour saluer les parents de Pierre-Olivier Gagnon, qui évolue pour les Griffons. J'ai eu le plaisir de rencontrer le grand-père de Pierre-Olivier.
demeure ici dans la région, avec qui on a discuté avant le match, et puis il tenait à saluer sa fille, donc la mère de Pierre-Olivier, qui est à l'écoute. On vous souhaite un bon match à vous, de même que tous les parents et des joueurs des Griffons et ceux des Filons. On sait que vous êtes toujours nombreux à regarder ces matchs, donc les parents des joueurs des deux équipes, on va vous souhaiter une bonne soirée. On va reprendre à la droite du gardien Mathis Lafontaine. Ce sera entre Girard et Landry, remporté par Girard. Rondelle qui se retrouve derrière le filet de Lafontaine. Boucher tente la sortie. Ça sera récupéré par Huppé à l'autre ligne bleue. En direction de Bellerive. Bellerive bataille contre Cousineau. Rondelle qui revient à nouveau en direction de Boucher, mais devancé dans sa course par Mathis Dufour. Dufour qui a participé au seul but des siens jusqu'à maintenant, le seul et unique dans la rencontre, marqué par le capitaine Nathaniel Aubert. Et la punition à retardement annoncée maintenant par l'officiel. De notre position, évidemment, difficile d'identifier le fautif. Il faudra attendre. Le geste de l'officiel indique que ce sera pour double échec. Il sera le fautif et ça semble être un joueur des filons, des griffons, pardon. Le numéro 15, Timothée Girard, qui a été pris en défaut là-dessus. C'était dans son territoire. On a mis un peu trop au goût de l'officiel et les Filons qui ont déjà profité de leur seul avantage numérique jusqu'à maintenant vont tenter de récidiver. Ils aimeraient bien doubler leur avance. Moment important pour les Griffons de demeurer dans le match à un but d'écart seulement. Mise en jeu remportée par les Filons et la remise en direction de Justin Dufour qui va rater. Ça va forcer le 78 des Filons à récupérer le disque à l'arrière de son filet. C'est lui qui va transporter à sa propre ligne bleue. Justin Dufour choisit de tirer de loin à l'intention de son coéquipier. C'est maintenu en territoire de l'Outaouais, derrière le filet. Rondelle qui revient devant. Un tir et la rondelle est bondissante et ce sera aussitôt balayé par l'adversaire jusqu'en fond de territoire chez les Filons. On est venu bien près. 32 secondes découlées à la punition des Griffons de l'Outaouais. Disque transporté par Dufour qui laisse derrière à l'intention de Goulet. Et maintenant, c'est pour Chapdelaine. Attire un joueur à lui avant de remettre derrière le but. Le long de la rampe, maintenant, Aubert aussitôt plaqué. D'un coin à l'autre, Chapdelaine quitte son poste de défenseur pour conserver le disque. Ça ira derrière le filon. On se change de disque chez les Filons. À Goulet maintenant. Et de nouveau à Chapdelaine qui était de retour à son poste à la pointe. Le tir, le but! Cette fois, c'est Goulet qui a trompé la vigilance du gardien Lafontaine qui double l'avance des Filons. 2-0, bien, décidément, le jeu de puissance qui fait des ravages pour les Filons. 2-2 jusqu'à maintenant. Les deux punitions des Griffons qui auront été coûteuses. Ce but inscrit à 8 minutes 57 et ça va inciter l'entraîneur des Griffons, Maxime Villeneuve-Ménard, à faire appel à un temps d'arrêt. Il va regrouper les siens au banc. Tenter sans doute de calmer un petit peu les ardeurs des siens. Ils viennent de voir les Filons profiter de deux supériorités numériques pour inscrire autant de buts et prendre ainsi les devants. 2-0. Allons voir si on a déjà inscrit. Non. Il faudra patienter avant de connaître effectivement l'identité du marqueur. Ça me semblait être le 26, Philippe Goulet. Attendons voir si c'est bien ça et à qui seront attribuées les mentions d'aide. Quoi qu'il en soit, c'est un but en avantage numérique. Et il est confirmé, le numéro 26, Philippe Goulet, avec son 8e déjà cette saison. Une aide à Justin Dufour, une deuxième donc pour lui ce soir. Et également au capitaine Nathaniel Aubert qui avait ouvert la marque. Alors 2-0. Là, l'officiel qui discute entre autres avec Pierre-Olivier Gagnon lui donne quelques explications. Avant de remettre le disque en jeu. Et ce sera fait entre Talbot et Nadeau. Ça ira aussitôt à la ligne bleue des Griffons. Échange entre deux arrières. La remise est longue dans le coin. C'est Mainville qui sera là le premier pourchassé par le capitaine des Griffons. Mainville qui chute dans le coin. Rondelle qui va se retrouver néanmoins au centre. Avec Boulet, un tir de loin en entrée de territoire. Et Lafontaine, après avoir effectué l'arrêt, ramène le disque à lui. Début d'escarmouche qui n'ira pas plus loin entre Simoneau et le numéro 9, Christopher Talbot des Griffons. 10 minutes 44 à faire à cette première période. 2-0, Tedford qui a pris les devants. Et on reprend à nouveau entre Nadeau et Talbot. Cette fois, ce sera à l'avantage du joueur des Filons.
Nadeau récupère sur son revers. Revient de son côté droit, reçoit le bâton au visage et à nouveau les Griffons qui seront chassés là-dessus. Un geste qui était accidentel, mais ce sera néanmoins répréhensible de la part de l'officiel. Un tir, un retour libre et c'est Pierce Lance qui va toucher au disque. Et au même moment, on entend le coup de sifflet. L'officiel qui, dès le départ, soulevait le bras, indiquant punition au Griffon pour avoir porté le bâton trop élevé. C'est le numéro 9, je pense, Christopher Talbot, qui sera le joueur chassé là-dessus. Oui, effectivement, c'est Talbot qui s'amène. Attendons de voir. Là, il rentre au banc des siens, mais oui, la juge de ligne qui l'invite à ouvrir l'autre porte, celle donnant accès au banc de punition. Et c'est parti. Troisième avantage numérique. Défilons. Et au départ, un dégagement. Ça ira jusqu'à la gauche du gardien Tyler Medina. Medina qui connaît un excellent début de saison. Disque transporté par Dufour au centre. Remise arrière à Goulet. Et en direction de Chapdelaine, un peu long pour ce dernier. Il n'a pu saisir. Ça ira dans le coin. C'est libre. Tentative de dégagement de Boucher. C'est neutralisé derrière le filet. Remise par la rampe jusqu'à Chapdelaine. Et à son coéquipier Dufour à la pointe. Dufour, on veut briser la boîte défensive formée par les quatre joueurs des Griffons. Retour qui est libre. On vient frapper à la porte et c'est Lafontaine qui dit non. C'était aux dépens de Mathis Dufour, la rondelle qui est apparue sur son bâton, mais tout près de la jambière de Lafontaine, qui finalement a réussi à immobiliser le disque. Les changements apportés par l'entraîneur des Griffons, c'est Paris et Martine qui sautent dans la mêlée. Du côté de l'entraîneur des Filons, Martin Bernard, on garde les mêmes effectifs en place. Rondelle qui est déposée, ça ira à Dufour au point d'appui. Se déplace latéralement le long de la ligne bleue. La remise dans le cercle de mise en jeu à Dufour, à Chapdelaine. Le tir de Dufour. Rondelle qui est bloquée devant le filet. Et de là, le dégagement à l'autre bout. Les changements défensifs, c'est Pierce Lance qui vient de sauter dans la mêlée. Il sera rejoint par Payette également. Pendant ce temps, on organise la sortie territoire. À nouveau, le même patron de jeu. La remise arrière de Dufour à Goulet maintenant. C'est pour l'autre Dufour, Mathis. On tente de le rejoindre devant le filet. La rondelle est interceptée par Pierce Lance. C'est lui qui va s'amener au centre. Va gagner quelques secondes additionnelles pour les siens. Bousculé au passage par Justin Dufour. Ça permet ça à Chapdelaine de récupérer. Perd le disque cependant. C'est Bizier qui va récupérer à son tour. 38 secondes avant le retour dans la mêlée de Talbot qui avait été chassé pour bâton élevé. Une deuxième vague d'unité spéciale d'avantage numérique pour les Filons qui est dans la mêlée. C'est Vincent, toujours dans son territoire. La remise pour Fauché. Et derrière, à Bizier maintenant. On traverse le centre. Zone adverse. À la ligne bleue, c'est pour Fauché. Tarde à tirer. Fauché conserve le disque. Le relais vers son coéquipier Vincent qui doit précipiter son geste. Et dans 5 secondes, Talbot sera de retour dans la mêlée. On s'échange le disque. Dans l'enclave, c'est Bizier qui n'a pu tirer. Et le dégagement qui va suivre jusqu'au centre. Au moment où Talbot réintégrait la surface de jeu, aussitôt un coup de sifflet qui se fait entendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Attendons voir. On indique qu'on va reprendre tout juste à l'extérieur du territoire des Filons du cégep de Thetford avec 8 minutes 23 à faire à cette première période. Nathaniel Aubert et Philippe Coulet, les auteurs des deux buts des Filons jusqu'à maintenant. La mise en jeu, c'était entre Nadeau et Dion. Finalement, la rondelle qui va aboutir sur le bâton de Fauché qui n'a pu quitter son territoire. Et ça va finalement se retrouver au centre. Cousineau, c'est pour Boucher. Un lob et Gagnon qui a devancé le disque, oui. L'officiel bien placé. Et on indique qu'on ne reprendra même pas à l'entrée du territoire des Filons, mais plutôt tout juste à la sortie de celui des Griffons. Le changement apporté par l'entraîneur Martin Bernard. Bernard accompagné de son acolyte de toujours, Stéphane Fizet, l'ancien gardien de but de la Ligue nationale de hockey. À Mainville. Tente de rejoindre Landry, mais Landry qui a fait sauter les patins à son rival, on a fermé les yeux du côté de l'officiel. Gagnon revient dans son territoire pour chasser ce malin par Dion. Réussit à s'en défaire. Conserve le contrôle du disque. Gagnon a bien fait là-dessus. Un relais à Bellerive. Bellerive qui tente de déjouer Cousineau. Le met en échec. Ça va permettre à Gagnon de lui pousser le disque. Bataille dans le coin entre Cousineau et Bellerive. Bellerive qui réussit à remettre à la ligne bleue vers Huppé. La rondelle était cependant bondissante et ça va quitter le territoire. On doit revenir jusqu'au centre. Rondelle qui appartient maintenant à Boucher pour Cousineau.
Tentative de rejoindre son coéquipier au centre. Coup d'épaule de Mainville aux dépens de son rival. Et pendant ce temps, c'est Boucher qui va tenter de remettre à son coéquipier pour organiser la sortie de territoire. On remet cependant du côté des Griffons. Et là, mauvaise manœuvre, revirement causé. Et c'est Landry qui a bien failli en profiter. Rondelle qui est dégagée au centre. Échange entre les deux arrières chez les Filons. Au centre, alors que Gauthier vient de sauter dans la mêlée, c'est lui qui reçoit. Remise arrière pour son coéquipier Bizier. Bizier tente de contourner le filet, veut remettre devant au même moment. Rondelle qui bondit entre plusieurs bâtons. Tentative de dégagement et ça a touché le bâton du 81 de Rory Lamb. Et ça va glisser jusqu'à l'autre bout pour un dégagement refusé. 13 minutes 14 écoulées à cette première période. Les Griffons, une fiche de 6 victoires, 5 défaites et un revers en tir de barrage. 38 buts marqués, 43 alloués. 45 maintenant avec les deux de ce soir. De l'arrière du filet des Filons, on va tenter la sortie. Ça a effleuré le bâton de Goulet qui n'a pu prendre parfait contrôle. Ce sera fait par Lemay dans son territoire, mais perd à son tour. Et le jeu un petit peu décousu là au centre. Mathieu, bousculé par Lamb. Ça permet au coquier de ce dernier, Julien, de récupérer le disque, aussitôt plaqué par Gauthier, cependant. Rondelle d'un coin à l'autre. Mathieu, en direction de Goulet. C'est bien fait. Goulet tente de déborder le défenseur, entraîné dans sa chute par le 22, la marche. Contre-attaque de Julien. Le tir repoussé. Long retour concédé par le gardien méditant, mais bien contrôlé au profit de son coéquipier Bizier. On se ramène en territoire des Griffons. Bizier, de l'arrière du but, tente de rejoindre un coéquipier. Finalement, il est immobilisé par un rival. C'est repris cependant par Tedford. C'était Gauthier. À nouveau en direction de Bizier. Étroitement surveillé. Intervention de Gagnon également. Il y a Lemay qui est là chez les Griffons. Bizier réussit à récupérer, mais perd aussitôt. Et on va tenter la sortie du côté des Griffons. Cependant, le travail de Gagnon qui va retarder la sortie. Finalement, c'est fait jusqu'au centre. Julien tente d'échapper à la surveillance de Gagnon. C'est intercepté par Nathaniel Aubert. Ça mène dans le coin de la patinoire. Il veut éviter le contact avec Lemay. Refile le disque à la ligne bleue. Le tir est celui d'Édouard Vincent. On remet à nouveau dans l'enclave. Ça a été touchant défensif par un joueur des Griffons. Rondelle qui est bon du centre. Mathis Dufour le reprend. Laisse derrière à l'intention de Vincent. Et pour Aubert, rondelle qui est un peu loin. Va la chercher. Aubert sur son revers en se retournant en direction de Mathis Dufour. Plaqué par Julien qui tente de lui tirer le 10, n'y parvient pas cependant. Et dans l'enclave, rondelle qui saute par-dessus le bâton de Aubert. On a pu tirer un peu moins de 5 minutes à faire à la première période. Aubert conserve derrière le filet. Le relais à la ligne bleue, ça lui revient. Aubert, remise qui ne peut être saisie par Mathis Dufour, ça revient à nouveau à Aubert. Et cette fois pour Dufour, un peu plus loin. Aubert qui va d'une mise en échec aux dépens de Zachary Chénard. Rondelle qui se déplace. C'est Fauché qui quitte son poste de défenseur. Rondelle qui est toujours en territoire ennemi. Des changements apportés par Martin Bernard. Et ça se poursuit de plus belle en attaque chez les Finons. Et finalement, la rondelle va quitter jusqu'au centre. Le temps de permettre aux Griffons d'apporter des changements. On revient à la charge en offensive chez les Finons. À la ligne bleue. En se retournant, Vincent, un tir. La rondelle est libre et finalement, ça va échapper un peu tout le monde. Simoneau ramène le disque à Vincent. Le tir de ce dernier bloqué par le plongeon de Girard qui a évité que la rondelle se rende au filet. Simoneau, relais arrière, un peu long pour Vincent qui va devoir venir quérir le disque derrière son filet. Vers son coéquipier Fauché, au centre maintenant. À Boulet, qui veut échapper à la mise en échec de son rival. Rondelle qui longe la rampe. C'est Fortin qui va venir chercher le disque dans le coin. Contourne son filet, attendu par Nadeau. Fortin toujours en contrôle du disque. La remise au centre. Aussitôt touché par Chapdelaine. Et ça revient maintenant vers Nadeau. Pour Bizier, qui a échappé le disque devant le capitaine Paris. Réussit à le récupérer au tout dernier instant. En direction de Boulet maintenant. Remise arrière. C'est intercepté. On a prévu la manœuvre du côté de Payette. Et le dégagement de ce dernier sera bon jusqu'à la ligne bleue des Filons. Ça va permettre à l'entraîneur des Griffons d'apporter les forces fraîches dans la mêlée. 3 minutes, 3 secondes à faire. Et ce sera cette fois aux Filons de subir une remise en jeu dans leur territoire à la suite de ce dégagement refusé. On va reprendre à la gauche du
gardien Tyler Medina. On est installé. Rondelle qui est déposée. Et ça va quitter le territoire. Payette qui n'a plus conservé le disque à l'intérieur. On retourne cependant la rondelle derrière le filet. La passe qui était derrière Bellerive réussit néanmoins à s'en emparer. Bellerive au stop-plaqué devant le banc des siens. C'est récupéré par Pearslands dans son territoire. Et il y a Payette qui va lui retourner. Pearslands choisit de revenir derrière son but. Et c'est de là qu'on va tenter d'organiser la prochaine attaque des siens. Pearslands par la rampe. C'est récupéré au centre par Dion. À 2 contre 1, on va s'amener. Et Dion devant le filet, mais il n'a plus tiré. Au moment où il a tenté de décocher, il n'y avait plus d'angle. Ça revient maintenant vers Martine. Rondelle qui est libre, reprise devant le filet. Un lob partiellement raté de la part de Chapdelaine. Ça va lui revenir cependant. Et pour Landry, plaqué, Gagnon va rentrer au banc des siens pendant ce temps. Rondelle qui est retournée derrière la cage de La Fontaine maintenant. Tentative de dégagement annulée par Goulet. Ça revient devant le filet. Rondelle qui a été touchée plus haut que la hauteur permise, mais puisque c'est récupéré par les Griffons, on laisse le jeu se poursuivre. Maintenant, à Goulet, à la ligne bleue. C'est pour Mainville. Tire du poignet, l'arrêt et la rondelle, après avoir d'abord échappé au gardien de La Fontaine, retombe devant lui, réussit à le recouvrir de sa mitaine. Ne cède pas de retour là-dessus. Les Filons qui ont marqué leurs 2 buts sur des avantages numériques. 3 infractions d'appelées dans le match, toutes 3 décernées aux Griffons. Les 2 premières ont été coûteuses. Bizier, à la mise en jeu, fait face à, je pense que c'était Chénard. Oui, ça menait à un tir au but repoussé par La Fontaine et le dégagement qui va suivre. Mainville, pourchassé, tente d'échapper à Bastien, c'est fait. La remise est pour Justin Dufour, en direction de Gauthier. Gauthier qui poursuit sa course, collision maintenant avec Boucher et Bastien reprend. Bastien, un de Bastien qui n'a pas disputé tous les matchs des siens cette saison, un 7e seulement cette campagne. Dufour, plaqué par son rival, réussit cependant à conserver et même à remettre à Goulet qui, malgré sa feinte, a vu Boucher lui soutirer le disque. Le retourne en fond de territoire chez l'adversaire. On approche la dernière minute de jeu dans cette première période. Justin Dufour, derrière son filet, il était attendu. Et la longue remise à Goulet qui s'amène seul. Goulet, le tir et l'arrêt du bouclier. On avait bien vu le jeu du côté des Filons et contre-attaque cependant Gagnon qui s'amène le tir et l'arrêt de la mitaine. Bien, les 2 gardiens qui s'illustrent tour à tour. D'abord La Fontaine, maintenant Medina. On y est allé d'une longue passe dans un premier temps de la part des Filons. Ça menait à l'échappée et contre-attaque rapide des Griffons. Les 2 gardiens qui ont été mis à l'épreuve là-dessus. Rondelle qui quitte le territoire des Filons au centre. C'est Aubert qui entre en zone adverse. La remise vers Gagnon, un tir. Bloquant défensif, la rondelle vole dans les airs. C'est Julien qui va reprendre. Julien remet pour son coéquipier Gagnon. Tire derrière le filet adverse. La course sera gagnée par Pearslands. Ça permet au capitaine Paris de remettre à la marche. Un tir libre devant le filet après l'arrêt de Medina. Tentative de dégagement annulée avec encore 5 secondes. Peut-être le temps d'un dernier tir du côté des Griffons, mais ça ne viendra vraisemblablement pas. C'est là-dessus que va prendre fin la première période de ce match. Première période marquée de 2 buts, les 2 de la part des Filons du Cégep de Thetford, tous 2 inscrits en avantage numérique. Rappelons, à 1 minute 58, le 5e de la saison du numéro 19, le capitaine Nathaniel Aubert avec des mentions d'aide à Mathis Dufour et Justin Dufour. Et on a récidivé à 8-57, toujours en avantage numérique, cette fois le 8e de la saison de Philippe Boulet. Des mentions d'aide à Justin Dufour, une 2e pour lui, et à Nathaniel Aubert qui avait ouvert la marque. Donc Aubert qui participe également aux 2 buts des Filons. Les 2 équipes qui retraitent à leur vestiaire. Nous, on fait la pause et on sera de retour pour la description de l'action en 2e période.
Nous sommes de retour à quelques minutes d'entreprendre la deuxième période de ce match entre les Griffons du Cégep de l'Outaouais qui tirent de l'arrière 2-0 face au filon du Cégep de Thetford. Un autre match en cours en ce moment, les Lions du Cégep Champlain-Saint-Lawrence qui mènent 5-1 face aux Gaillards du Cégep de l'Abitibi. Et plus tôt en journée, rappelons que les Janois d'Alma l'avaient emporté 4-2 face aux Nordiques du Collège Lionel Groulx. Si on jette un coup d'œil au classement, je vous mentionnais congestion au sommet jusqu'à maintenant. Les filons du Cégep de Thetford avec 21 points, rejoints par les rebelles de Sorel-Tracy à 21 également. Les Janois du Collège d'Alma, 21. Pas loin derrière, à 20 points, on retrouve le boomerang du Cégep André Laurando et les Dynamiques de Sainte-Foy. Les Lions du Cégep Champlain-Saint-Lawrence, qui mènent en ce moment 5-1 avec 18 points, vont également monter à 20 points. Et les Lauriers de Sainte-Hyacinthe à 18, donc seulement 3 points d'écart entre la 7e position et la première. Les Filons qui vont tenter de profiter des deux matchs en main qu'ils ont sur Sorel-Tracy et Alma, les deux équipes avec qui ils partagent le premier rang. Les Filons donc 21 points, tout comme Sorel-Tracy et Alma, mais Thetford en 13 matchs, Sorel et Alma 15 rencontres de disputées jusqu'à maintenant. Rappelons la marque ici après une période de jeu. 2-0, les Filons qui ont pris les devants, les deux buts marqués en avantage numérique. Les Filons et les Griffons qui vont se rencontrer à nouveau demain après-midi et on sera là également pour vous décrire toute l'action de ce match. Les Griffons qui entreprennent ce soir là, une séquence de 5 matchs consécutifs sur la route. Dans leur cas, ils vont visiter le boomerang du Cégep André Laurando vendredi prochain. Il faudra attendre jusqu'au 9 décembre avant de retrouver les Griffons à la maison alors qu'ils recevront les Lauriers de Saint-Hyacinthe. La deuxième est en cours. Chapdelaine au centre perd le disque, tente de le récupérer. Ce sera plutôt fait par Girard. Un long détour dans son territoire. Girard pourchassé par Boulet. Rondelle qui va entrer en territoire Thetfordois. C'est repoussé derrière la ligne des buts. Chapdelaine pourchassé par Girard. Laisse le disque derrière à l'intention de son coéquipier Bizier. Bizier s'arrête derrière son filet. Il hésite. Patiente, j'ai dit Bizier, pardon, c'était Huppé. Huppé, la remise pour Chapdelaine qui perd cependant et ça va quitter. Heureusement pour les Filons, le territoire, il y a un joueur des Filons, c'est Chapdelaine qui a été blessé sur la séquence. Perd son bâton, se relève finalement, demeure dans la mêlée, semble souffrant néanmoins. Rondelle qui va se retrouver dans le coin. Et c'est lui-même, Chapdelaine, derrière son filet, qui va tenter le dégagement via la rampe et ça ira jusqu'à l'autre bout. On laisse juste poursuivre le juge de ligne qui indique que la rondelle avait effleuré un joueur des Griffons. Ça permet à Chapdelaine de rentrer au banc des siens. Paris, la contre-attaque, en compagnie de Gagnon qui le suit derrière. Le tir qui est dévié par Mainville et ça se retrouve de l'autre côté de la baie vitrée. 1:06 écoulée dans cette deuxième période. Les Griffons qui entreprennent cette deuxième avec force veulent attaquer le territoire adverse. C'est un cliché dans le monde du hockey, mais c'est quand même la réalité. Le prochain but là, qui est important, les Griffons qui veulent absolument éviter de voir les Filons ajouter à leur avance de 2 buts. Et les Filons qui, eux, ne veulent pas voir les Griffons se rapprocher. Mainville derrière son filet. Attendu par Talbot devant. Sorti du côté droit. La remise est pour Justin Dufour. Il réussit à rejoindre son coéquipier Goulet. Entré en zone adverse. Goulet arrêté le long de la rampe et la rondelle qui appartient à Pierce Lance. Remet pour Gagnon qui ne trouve pas d'ouverture, arrêté par Mainville. Tentative de dégagement qui est annulée à la ligne bleue, mais aussitôt récupérée par Bizier. La remise à 2-1. Gauthier en compagnie de Goulet. Hop, pour le tir, c'est repoussé de la jambière. Le retour à ce même Goulet. Devant le filet, la rondelle est libre et il y aura punition à Bizier pour avoir fait trébucher. Alors que le gardien de la Fontaine cède sa place à un 6e patineur hors jeu à l'entrée du territoire des Filons. Cette fois, c'est Bizier dans sa tentative de récupérer une rondelle qui était bondissante. A accroché au passage un rival, l'a fait trébucher. Il va devoir purger les 2 prochaines minutes au banc de punition. Ce sera une première occasion pour les Griffons ce soir en avantage numérique. Ils ont vu les Filons, eux, profiter de 2 de leurs 3 jeux de puissance pour marquer. Voyons voir si on sera en mesure de répliquer. Talbot s'amène à la mise en jeu. Il fera face à Jérémy Landry pour les Filons. Au départ, disque saisi par Mainville, mais qui perd aussitôt à Boucher, au point d'appui. Relais dans le coin, à Gagnon. Derrière le but, pour Julien.
On s'échange le disque entre les deux arrières. Boucher, ça ira. Le tir de... Je pense que c'est Talbot qui avait décoché. Le retour qui a échappé à son coéquipier. Ça revient à Boucher. Il est vers Cousineau. À nouveau à Boucher. Un tir. Il y a de la circulation devant le filet. Il y a le 26. Pierre-Olivier Gagnon qui était bien posté également. Tout comme Julien. C'est lui, Julien, qui reçoit le disque. Le relais pour son coéquipier Talbot. On s'échange bien la rondelle. 1 minute 18 à l'avantage numérique. Boucher tente de trouver un angle de tir. Décoche et ça va s'arrêter dans la mitaine du gardien Tyler Medina. Medina qui n'a pas accordé grand-chose depuis le début de la saison. Fiche de 5 victoires, 1 défaite. Vous mentionnez une excellente moyenne de buts alloués de 1,67. 1 minute 15 à la punition de Bizier chez les Finons. Les 45 premières secondes de l'avantage numérique se sont passées en territoire Thetford-Way et là, ce sera un premier dégagement à l'autre bout. La Fontaine qui va positionner le disque à l'intention de son coéquipier Payette. C'est lui qui s'empare du disque. Payette, de l'arrière du filet. Étudie la situation. La remise, c'était vers Pierce Nance, un peu derrière celui-ci. On a dû donc poussé en fond de territoire. De là, on veut ramener le disque dans l'enclave. Rondelle qui est débattue à plusieurs joueurs. C'est toujours derrière la ligne des buts. Dans le coin maintenant, collision entre deux joueurs. Et ça va revenir au point d'appui. Le tir. Rondelle qui est libre et ça se retrouve dans le fond du filet. Un but marqué en avantage numérique. Et les Griffons qui ripostent à leur tour sur le jeu de puissance. On a remis 1 minute 25 en avantage numérique pour finalement inscrire un premier ce soir et briser la glace. C'est 2 à 1 maintenant la marque. Les unités spéciales qui auront eu leur mot à dire jusqu'à maintenant. 2 à 3 les Filons et 1 à 1 maintenant du côté des visiteurs, des Griffons du Cégep de l'Outaouais. Attendons voir à qui on va créditer le but. Ça semblait être touché devant le filet. Le jeu reprend au centre. C'est Boucher du revers qui retourne le disque profondément chez l'adversaire. Dion est là le premier, aussitôt plaqué. Vincent par la rampe jusqu'à Simoneau en se retournant, tente le dégagement. Ça lui revient. Il s'est maintenu toujours en territoire de Thetford. Et avec un deuxième effort, Simoneau va s'amener au centre. Une feinte devant Dion. A voulu rejoindre Boulet, mais en vain, c'est contre-attaque qui s'amorce avec Girard en compagnie de Parent. Girard du revers devant le filet. La rondelle qui échappe d'abord au gardien Medina, mais réussit à récupérer au tout dernier instant. Petit début de bousculade par la suite. Allons voir si on a confirmé l'identité du marqueur chez les Griffons. Oui, en avantage numérique à 3 minutes 20. Le troisième de Mathis Fortin avec des aides concédées à Zachary Chénard et à Félix Payette. De sorte que l'écart est réduit à un seul but. 2 à 1, les Filons. Le mot d'ordre chez les deux équipes sera certainement la discipline d'ici la fin. Trois des quatre punitions appelées dans le match auront été coûteuses. Dans le coin. Rondelle qui va se retrouver au centre. Bellerive tente de déborder le défenseur Lemay. Il parvient, mais va aller récupérer dans le coin de la patinoire. Landry maintenant devant Martine. Rondelle qui demeure en territoire des Griffons. Dégagé jusqu'au centre. Huppé à sa ligne bleue. Du revers, ça ira vers Payette qui rejoint Bastien en direction de Martine. Martine qui y va d'un coup d'épaule sur le porteur du disque qui était Chapdenaine. Rondelle qui est rabattue au vol et oui, le coup de sifflet qui se fait entendre. L'officiel qui dit rondelle touchée plus haut que la hauteur permise et récupérée par la suite par les Griffons. 4 minutes 19 de jouer jusqu'à maintenant dans cette deuxième période. On vous a parlé du calendrier à venir chez les Griffons. Donc, premier de 5 matchs consécutifs sur la route. Pour les Filons, bien évidemment, outre le match de demain face à ces mêmes Griffons, bien, ce sera la visite des Dragons du Collège La Flèche vendredi prochain, 19h30. On a qui ira à Julien devant le défenseur Schreblen qui n'a pas mordu, de sorte que ça permet à Mathis Dufour de reprendre, rejoint son capitaine Aubert en direction de Gagnon, un peu long pour ce dernier cependant. À Huppé, à la ligne bleue. Pour Dufour à nouveau. Dufour à Gagnon. Pour Aubert. Aubert travaille sur son revers. À Chapdelaine, qui s'est avancé de sa position de défenseur, mais contré cependant par Julien. Et ça permet ça à Talbot de reprendre le disque. En compagnie de Payette, a tenté de le rejoindre. Jeu intercepté.
Et en direction de Gagnon, un long jeu. La rondelle qui a effleuré Gagnon, qui n'a pu en prendre le contrôle cependant. Ça revient à Talbot. En direction de Julien, qui n'a pu saisir, rappelé au banc par son entraîneur, Chapdelaine. Autre longue remise, celle-là saisie par Lisier. Entre en zone adverse, contourne le filet. Revue remettre devant Gauthier, ça ira plutôt avec Goulet, mais son tir qui manque la cible. À Gauthier derrière. Gauthier, bataille contre Pierce Nance. Intervention également en défensive de Chénard. Mathieu qui a quitté son poste à la ligne bleue pour maintenir le disque en zone adverse. À nouveau, une deuxième fois sur la ligne bleue. Gauthier qui ne peut saisir devant le filet. Mathieu, et cette fois, on juge que la rondelle avait quitté le territoire en jeu à retardement, annulé avec la sortie et de Gauthier et aussi de Cousineau qui transporte le disque jusqu'au centre. Chénard maintenant en zone adverse. Bousculade dans le coin. On est à 4 pour la possession du disque. Ça reviendra du côté de Fortin. Passe de l'autre côté à Pearson. Son tir à lui, bloqué par Goulet. Rondelle qui est libre derrière le filet. Ça a touché l'officiel et finalement, on va dégager jusqu'au centre du côté des Filons. Les Griffons là, qui se font de plus en plus menaçants à mesure que la deuxième période avance. Une longue passe, là, celle-là, beaucoup trop. Et ça va coûter une remise en jeu aux Griffons dans leur propre territoire. Les Filons, on l'aura remarqué pour les habitués des matchs des Filons. L'entraîneur-chef Martin Bernard qui a apporté une modification à ce que j'oserais qualifier du premier trio. Aubert et Mathis Dufour qui étaient habitués de jouer en compagnie de Goulet. Mais là, c'est maintenant Ralph Gagnon qui est le troisième membre de ce trio. Nadeau à la mise en jeu pour les Filons faisait face à Dion. Vincent s'avance. Retourne le disque dans le coin. À Chénard, le long de la rampe. À nouveau à Vincent. Un tir qui manque le filet. Fauchet, son tour. Et la rondelle qui va glisser tout doucement jusqu'au pied du gardien, Mathis Lafontaine, qui ne court aucun risque. Conserve dans sa mitaine et va préférer une remise en jeu à sa gauche. 13 minutes 21, comme vous l'apercevez à l'écran. 2-1, la marque en faveur des Filons de Thetford face aux Griffons de l'Outaouais. Les deux équipes vont remettre ça demain dès 15h. Et on sera là également pour la description de cette rencontre. En principe, dégagement annulé par Fauché. Ça va revenir à Girard, dans le coin. Et pour Dion, on amorce la sortie de territoire. Jeu intercepté, c'est à l'intention de Parent. Ça revient à Boulet et vers Simoneau. Le temps de décocher un tir, cependant bloqué en défensive. Plaquage de long de la rampe. Dans le coin, entre Boucher et Boulet. Ça permet à Simoneau de s'infiltrer et récupérer le disque. Veut le remettre dans l'enclave. C'était bien pensé à l'intention de Nadeau qui était positionné, mais également couvert. Contre-attaque Parent. Repli défensif de Fauché. Ce sera profitable pour Boulet. Boulet, on tente de soulever son bâton. C'est un bon jeu de la part de Dion. Simoneau derrière la ligne des buts. Et à Boulet, une feinte de Dion. C'est lui qui va transporter. Dion va enlever les yeux, perd le disque et on laisse le jeu se poursuivre. Il me semblait qu'il y avait hors-jeu à la ligne bleue. Le juge de ligne en a décidé autrement et l'attaque va se poursuivre du côté des Filons et la rondelle qui va quitter le territoire. On va revenir au centre. Des changements en cours aux deux bancs. C'est Bellerive qui perd le disque avant de le reprendre. Bellerive, une deuxième fois. Cette fois, c'est complété vers Gauthier. Il a aperçu son coéquipier Landry. Ce dernier s'avance. Le tir, ça a été bloqué. Le retour concédé par Lafontaine. Lame maintenant ne peut sortir de son territoire. Gauthier travaille sur son revers avec le patin maintenant en direction de Landry. Et finalement, c'est Boucher qui va donner un petit peu d'air pour respirer au sien. Martine en contre-attaque dans le territoire des Filons. Il va d'une mise en échec. Rondelle qui va aller en direction de Mainville. C'est pour Landry plaqué. Mainville va reprendre. Il suivait derrière et relaie à Gauthier. Remise arrière, c'était pour Bellerive. Soulève le bâton de Martine, mais ça va lui échapper. Heureusement pour lui, c'est Mainville qui reprend. À Landry dans l'enclave, le tir bloqué. Et attention, peut-être un surnom qu'on va concéder au Griffon, mais beau travail de Mainville pour retarder la sortie de ce dernier. Rondelle qui est logée jusqu'au filet de Lafontaine. Échange entre les deux arrières. Pendant ce temps, trois nouveaux attaquants du côté des Griffons viennent de sauter dans la mêlée. Talbot. Et il y a Landry qui est rentré au banc des siens, n'a pu intercepter le disque. On s'amène chez les Filons. Échange entre les deux arrières. Mainville a reçu de Justin Dufour et va lui retourner. Justin Dufour. Il a participé au début des siens. La longue remise à Gagnon qui s'était démarqué, mais n'a pu aller plus loin. Dufour reçoit l'aide de Aubert. On vous mentionnait Gagnon maintenant là, avec Aubert et Dufour depuis le début de la soirée.
Tentative de dégagement et ce sera bon jusqu'à l'autre bout. Est-ce qu'on va, oui, appeler le dégagement? Refusé. Les Griffons qui vont devoir subir une remise en jeu et conserver les mêmes effectifs dans la mêlée. Tout ça avec 10 minutes 42 à écouler à cette deuxième période. Un seul but inscrit dans cette deuxième. Il a été l'œuvre de Mathis Fortin, son troisième de la saison, en avantage numérique à 3 minutes 20. Les trois buts du match inscrits sur des jeux de puissance. Les deux des Finons en trois occasions et celui des Griffons à leur seule opportunité. Chapdelaine à sa propre ligne bleue. Le relais accepté par Aubert. Un tir par la rampe. C'est saisi par Payette derrière son but. Tentative de dégagement s'est annulée à la ligne bleue. Un tir qui va bondir le long de la rampe. Et Julien tente de s'en emparer. Relais arrière pour son coéquipier Cousineau, plaqué à son tour. Chapdelaine qui travaille le long de la rampe pour maintenir le disque en zone adverse. C'est fait pour son capitaine Aubert. Un tir dans un angle fermé, mais aucun risque à courir pour La Fontaine qui étire la mitaine, capte le disque et le conserve. On va profiter du côté de Thetford d'une remise en jeu en territoire offensif. Pierce Lance, Chénard, Paris, Boucher du côté des Griffons et l'autre est le 19 Fortin. Boucher par la rampe, justement en direction de Fortin, mais neutralisé, surveillé étroitement par le défenseur. Contre-attaque cependant qui va se poursuivre. Le tir de Paris, l'arrêt du bout de la jambière et aussitôt là, l'échec avant des Griffons qui empêche la sortie territoire des Filons. Condel qui vole dans les airs, c'est rabattu et ce sera maintenu à la ligne bleue par Chénard. On est à nouveau par la rampe. On tente le dégagement. C'est toujours en territoire Thetfordois. On a de la difficulté à sortir du côté de Thetford. Finalement, la rondelle qui appartient à Nado. Le relais au centre à Simoneau. Simoneau a aperçu Vincent qui se portait à l'attaque. Le tir de ce dernier s'arrête la cible de peu à la gauche du poteau. À la ligne bleue, un tir. Le retour appartiendra à Vincent. Attire un joueur à lui avant de retourner via la rampe jusqu'à l'autre bout pour son coéquipier Fauché. Fauché toujours derrière le filet, plaqué cependant par Pierce Lance. C'est Nadeau qui reprend. Nadeau veut attirer un joueur, lui, entraîné dans le coin par Lemay. Dans l'enclave, c'est intercepté par Paris. C'est lui qui va relancer l'attaque des siens. Paris, au centre. Et après avoir franchi la ligne centrale, rentre au banc des siens, des changements apportés. Au centre. Bizier, une feinte, mais il est seul de son camp face à trois adversaires. Un tir et il n'y aura pas de retour là-dessus concédé par La Fontaine. Un bon jeu de la part d'Olivier Bizier a opté pour un tir, voyant qu'il était seul de son camp. Il y avait des changements en cours. Il sera rejoint par Goulet et Gauthier. Les arrières Dufour et Mainville pour Thetford. Avec 8,51 à jouer. On est en deuxième période. C'est gagné à la mise en jeu par Girard. Jeu intercepté cependant à la ligne bleue et Girard va finalement reprendre. S'amène en compagnie de Dion. Lui cède le 10. Le tir de ce dernier. C'est bloqué devant le filet. Le retour est libre et on a marqué du côté des Griffons. Dion qui a semblé profiter de son propre retour de lancer. Il a déjoué Medina. Et on a droit à un nouveau match. C'est 2-2. Le jeu qui s'est amené en territoire Thetfordois. Il y a eu un tir de décoché et Medina qui n'a pu contrôler le disque. La rondelle semblait libre et on en a profité. Du côté des Griffons, il restera à voir qui sera le marqueur. Est-ce que c'est Girard ou Dion, peut-être? Attendons. Rondel qui est redirigé derrière le filet de La Fontaine. Une remise dans le coin. Et Dion reprend. Dion arrêté devant le banc des Filons. On va retourner le disque chez les Griffons. Boucher derrière sa cage. Gauthier reçoit du revers, revient dans l'enclave pour Bizier, mais réception difficile. Mainville qui quitte son poste de défenseur, perd le disque à son tour avant de le reprendre. Mainville sur son revers en se retournant. Retourne le disque derrière le but. Bizier est là. Bizier qui a perdu l'équilibre, réussit à se reprendre. Chute le long de la rampe, bataille contre son rival qui est Girard. C'est lui qui va transporter Girard en compagnie de Parents et ça va s'arrêter dans la mitaine du gardien des Filons. Allons voir au sommaire si on a indiqué l'auteur du deuxième but. Oui, c'est le numéro 27, Maxime Dion, avec l'aide de Girard. Dion pour qui c'est un deuxième cette saison.
Timothée Girard qui obtient une mention d'aide et ça crée l'égalité 2 à 2. On est en deuxième période, 7 minutes 53 à faire. Les Filons qui avaient pris les devants, 2 à 0. Ce deuxième but des Griffons, ben, c'est le premier du match inscrit à forces égales, 5 contre 5. Les trois premiers avaient été inscrits en avantage numérique. Les Griffons qui poursuivent le travail en fond de territoire. C'est Lame qui vient de chuter. On veut remettre dans l'enclave, mais c'est intercepté par Simoneau qui va s'amener en compagnie de Landry. Relais pour Bellerive, mais Landry a redevancé son coéquipier. C'est ce qui entraîne le coup de sifflet. On va reprendre tout juste à l'extérieur du territoire des Griffons de l'Outaouais. Les Filons avaient pris les devants 2 à 0 en première période et les Griffons répliquent avec 2 dans cette deuxième jusqu'à maintenant. Landry, à la mise en jeu, fait face à Talbot. Ça ne fera pas de mètre, mais la rondelle est aussitôt récupérée par Pierre-Olivier Gagnon. Rejet jusqu'à Mathieu dans son territoire, intercepté par Gagnon. Le tir de ce dernier s'arrête à la gauche du gardien. Retour qui appartient à Chapdelaine. Simoneau, remise arrière, mais c'est aussitôt repris par son rival, Talbot. Bataille derrière le filet, on ramène le 10 devant et c'est de tirer le but! Non, on dit que la rondelle est demeurée sur la ligne des buts. Oh, les Filons ont eu chaud là-dessus. Dégagement qui va suivre. J'étais persuadé qu'on avait réussi du côté des Griffons à prendre les devants là-dessus. Les Filons qui s'en tirent à bon compte. Payette, remise arrière. C'est pour Cousineau. Jeu qui va demeurer en territoire des Griffons. Payette pour son coéquipier. Cousineau en direction de... C'était Payette au centre, ou le 16 plutôt qui va... Oui, Payette qui est rentré au banc des siens et un faible tir qui sera conservé par le gardien Medina. Changements qui sont complétés par les deux entraîneurs. Ceux des les changements des Griffons venaient tout juste d'être complétés et autour de Martin Bernard de faire de même avec les siens. On va reprendre à la droite du gardien des Filons. Entre Chénard et Aubert. C'est gagné par Aubert, mais c'est Chénard qui s'empare aussitôt du retour. La rondelle était dirigée dans le coin. Aubert, au centre, contre-attaque. La remise sur sa droite, c'était pour Gagnon qui décoche un tir. Il n'y aura pas de retour concédé et bousculade là, dans le demi-cercle du gardien. On a renversé le joueur des Filons qui était là, Mathis Dufour, en attente d'un retour qui n'est jamais venu. Il n'y a pas eu d'infraction signalée sur le jeu. Les deux défenseurs des Filons, eux, qui ont pris garde à demeurer à leur position pour éviter de subir une remise en jeu à l'extérieur du territoire des Griffons. On va reprendre. Toujours entre Aubert et Chénard. Rondelle qui demeure dans le cercle de mise en jeu. En se retournant, on tente un tir. C'est un peu loin. Pour Aubert, plaqué par Boucher. Dans le coin, c'est libre. Mathis Dufour sera là le premier. Pierce Lance qui lui ravit le disque par la rampe jusqu'au capitaine Paris. Le relais est bon pour Chénard. Freine tente de déjouer le défenseur. La remise dans l'enclave, pardon, le tir bien décoché de la part de Paris. Ça a raté la cible de peu. Dégagement au centre. Pierce Lance qui va retourner le disque chez l'adversaire où ce sera repris par... Vincent, relais au centre. Gagnon qui se contente de se défaire du disque. Aubert veut le reprendre en étant pêché et ça revient vers Girard. Girard en zone adverse. En compagnie de deux coéquipiers, un tir par-dessus la cage. Le retour est libre. C'est repris par Dion. Un relais en direction de Lemay, mais intervention en défensive chez les Filons. La rondelle qui va quitter le territoire. Ça revient à Lemay, à sa propre ligne bleue. Et pour Boucher maintenant. Boucher a vu l'ouverture. S'aventure en territoire adverse, plaqué par Fauché. La rondelle demeure cependant en possession des Griffons. Et derrière le filet maintenant, c'est Nadeau qui en prend possession. Nadeau, dur contact là, de Boulet aux dépens de son rival qui était Lemay. Ce dernier qui a chuté. Boulet s'amène en zone adverse. Remise arrière, mais ça va quitter le territoire. Vincent qui va tirer, ça touche un adversaire, ça revient au centre. Et de là, à nouveau, Girard évite la mise en échec. Derrière le filet, remise en direction de Chapdelaine. C'est intercepté cependant par le 77 qui était Bastien.
Gérard, en rentrant au banc des siens, repousse le disque un peu plus loin. Et finalement, ce sera un dégagement au centre. Les Filons qui en ont plein les bras depuis quelques instants. Depuis, en fait, le but égalisateur des Griffons. Un tir était celui de Martine par-dessus la cage. L'ouverture était là. Et le dégagement sera bon jusqu'au centre. Les Griffons là, qui contrôlent les dernières minutes de cette deuxième période. 4 minutes 8 à faire. Rondelle qui revient au centre. Payette va tenter de protéger au dépens de Boulet. C'est fait. Remet pour Cousineau. Un lob jusqu'en zone adverse et ce sera bon. Repris par Huppé qui contourne rapidement son filet. S'y arrête finalement. Huppé revient sur ses pas. À nouveau derrière le but. Attend que ses coéquipiers réintègrent le territoire défensif. Venir lui prendre des mains fortes. La remise pour Chapdelaine. Il a aperçu son coéquipier au centre. Le relais, ce sera accepté par Goulet. Veut remettre devant. Et la rondelle qui va bondir sur le dessus du filet. C'est ramené derrière maintenant. Goulet, devant, c'était pour Bizier. Huppé, le tir décoché. L'arrêt du bouclier. Retour qui est débattu entre Payette et Goulet. Le long de la rampe, maintenant, Martine bousculée par Chapdelaine. La rondelle qui va quitter jusqu'au centre. Le relais à Huppé maintenant. Huppé, c'est pour Goulet. Et on va percer au centre, mais Bizier qui ne peut tirer. Conserve du revers et en voulant remettre devant, la rondelle va se retrouver dans le coin. Gauthier, par la rampe. Intervention en défensive du côté des Griffons. C'est Cousineau. La remise est bonne pour Talbot maintenant. Talbot tente de déborder. Huppé décoche un tir. Encore une fois, on rate le filet, mais de peu. Rondelle qui est rabattue au vol. Ça reviendra vers Mainville. Une feinte. C'est pour Goulet. Du revers. Maintenu à la ligne bleue cependant. Intercepté par Huppé. Le relais à Gauthier au centre. Un tir de loin et avec la mitaine, c'est saisi par La Fontaine qui ne cèdera pas de retour là-dessus. Le coup de sifflet qui se fait entendre avec 2 minutes 36 à faire à cette deuxième période. Les Griffons qui montrent les dents là, depuis plusieurs minutes. Ils ont d'abord créé l'égalité par l'entremise du deuxième de la saison de Maxime Dion. Et depuis ce temps, là, mettent beaucoup de pression en territoire des Filons. Landry, Simoneau et Bellerive, le trio pour les Filons. Ce sera face au trio de Chénard à la mise en jeu. Rondelle aussitôt saisie par Paris. La remise sur sa gauche. On veut lui retourner le disque. C'était de la part de Fortin, auteur du but égalisateur. Fortin qui travaille le long de la rampe. Ça ira finalement à Dufour en direction de Mainville. Et Bellerive reprend pour Dufour. Au centre. Ça a effleuré Landry qui n'a pu en prendre le contrôle pour mal la marche maintenant. Passe derrière son filet, perd le disque, bousculé par Bellerive. Landry veut reprendre, perd avant de réussir à remettre à son coéquipier Dufour. Il cherche l'ouverture. Ce sera via la rampe jusqu'à Mainville qui s'aventure. A quitté son poste de défenseur en direction de Landry et pour Bellerive maintenant. Bellerive qui veut échapper à la surveillance de la marche qui ne le talonne de près. Toujours Bellerive en se retournant un tir, ça a été touché et bloqué en défensive. Bellerive qui poursuit son travail. Bellerive relève dans l'enclave, intercepté cependant en défensive par Chénard qui va d'un dégagement au bas des Filons. On devra reprendre du même endroit, territoire des Griffons. La dernière séquence là, du trio des Filons a permis justement quelques attaques et à la troupe de Martin Bernard de se donner un petit peu de répit. Puisqu'on était en défensive depuis un bon moment. Ça reprend avec l'intervention de Boucher. C'est Dufour qui n'a pu cependant conserver à l'intérieur du territoire. Bataille au centre et contre-attaque avec le tir était celui de Gagnon. Gagnon qui voit finalement l'intervention de l'autre Gagnon, celui des Filons, Ralph. Il y a Ralph pour les Filons et Pierre-Olivier pour les Griffons. Intervention de Boucher qui s'amène rapidement. Boucher, l'angle se referme, le tir, le retour est libre jusqu'à l'intervention et à l'arrivée de Justin Julien. Long relais, c'est accepté par Mathis Dufour, ça provenait de Mainville. Mathis Dufour en se retournant, on est dans la dernière minute de jeu de cette deuxième période. Relais dans l'enclave. Dufour ne peut s'en emparer. On va tenter le dégagement chez les Griffons, mais ça demeure en territoire de l'Outaouais. Dans le coin, Aubert veut protéger le disque. Bataille contre son adversaire, Cousineau.
Et la rondelle qui sera maintenue tout juste sur la ligne bleue et au deuxième effort des Griffons, on s'amène au centre avec Julien. Seul de son camp, il y avait des changements commandés au banc par son entraîneur. Rondelle qui est débattue devant le banc des Griffons à la hauteur de la ligne bleue maintenant. Rondelle qui vole dans les airs et c'est Dufour qui aimerait bien s'en emparer. Contré par Pierce Nance et hors-jeu. Appelé par le juge de ligne. Bousculade entre quelques joueurs. On devra garder son calme d'un côté comme de l'autre. On a vu l'importance des punitions. 4 punitions décernées dans le match. 3 d'entre elles ont été coûteuses. 2 des 3 des Griffons. Et la seule des Filons aura également coûté un but. 14 secondes et 1 dixième à faire dans cette deuxième période. Ce sera entre Girard et Bizier. Rondelle qui revient en défensive. De Pierce Nance vers son coéquipier et un long relais en territoire de Thetford. C'est ainsi qu'on va laisser s'écouler les dernières secondes du côté des Filons alors qu'Édouard Vincent conserve le disque en sa possession. Et la sirène qui indique la fin de cette deuxième période, une deuxième période qui aura vu les Griffons s'inscrire au pointage à 2 occasions. Tout d'abord, le troisième de la campagne de Mathis Fortin avec des aides de Zachary Chénard et Félix Payette. Et à 11-21, Maxime Dion crée l'égalité avec son deuxième de la campagne. Une aide décernée à Timothée Girard. C'est donc 2-2 la marque. Les Filons qui avaient pris les devants en première période par l'entremise de Nathaniel Aubert et de Philippe Poulet. Mais on a répliqué chez les visiteurs. Et après 40 minutes de jeu au centre sportif Renaud Fournier, secteur Black Lake à Thetford Mines, c'est l'égalité 2-2. On vous invite à prendre une courte pause. On fera de même et on sera de retour pour la description de la deuxième période, de la troisième période dans quelques instants.
Nous sommes de retour à l'instant même où les joueurs des Griffons font leur apparition sur la surface de jeu. À quelques instants d'entreprendre la troisième période de ce match, ils seront suivis dans quelques instants. Les joueurs des Filons, les entraîneurs des deux équipes qui ont très certainement profité de la pause pour y aller de leur directive à leurs joueurs respectifs. Les Filons qui avaient pris les devants, rappelons-le, après 20 minutes de jeu, 2 à 0 sur deux buts en avantage numérique. Les Griffons ont répliqué en deux occasions en deuxième période. Et on en est là, une égalité de 2 à 2 maintenant après 40 minutes de jeu. Ailleurs, il y a un autre match en cours et les Lions du Cégep Champlain-Saint-Laurent qui s'amusent aux dépens des Gaillards du Cégep de l'Abitibi. Ils mènent 10 à 1 en troisième période grâce notamment à 7 buts en deuxième période. Ici, ben, on devrait avoir droit à toute une troisième période. Les deux équipes qui sont au coude à coude. Et on va entreprendre cette troisième avec une remise en jeu entre Landry et Chénard. Les joueurs des deux équipes debout à leurs bancs respectifs pour encourager leurs coéquipiers. Et c'est parti. Rondelle qui ira à Fauché. C'est lui qui entre en zone adverse. La remise en direction de Bellerive qui n'a pu saisir convenablement. Il peut remettre à son défenseur Vincent, mais rapidement, c'est Paris qui a sauté sur une rondelle libre. Transporte en zone adverse. Derrière, c'est Chénard qui reprend. Elle s'amène en direction du filet. Se repousser dans le coin. Punition en retardement. Et il y a un joueur des Filons qui est blessé devant le filet des siens. C'est pour avoir accroché. Qui sera le fautif maintenant? Attendons voir. C'est Bellerive là, qui a été blessé sur la séquence. L'officiel qui est installé devant le banc de punition et va désigner. Il répète son geste pour avoir accroché, mais on n'a toujours pas identifié le joueur fautif. Est-ce que c'est Bellerive lui-même? Oui, non seulement a-t-il été blessé, mais ça va lui coûter 2 minutes en surplus. Donc, Justin Bellerive qui va se retrouver au cachot et ça va déjà donner en tout début de troisième période un avantage numérique aux Griffons. Ils en ont eu un seul dans le match et ils ont capitalisé là-dessus. C'était leur premier but du match. Gagnon à Boucher. Et on va prendre son temps pour s'installer à Talbot. Traverse le centre. Talbot toujours en position 10. Manœuvre bien en zone adverse. Talbot décoche un tir. Ça a été dévié. Et ça se retrouve derrière la cage de Medina. Après avoir touché le filet protecteur, la rondelle qui disparaît de l'autre côté de la rampe. L'officiel qui a mis à chercher une nouvelle rondelle et on sera en mesure de reprendre. 18 secondes se sont écoulées, pardon, à la punition de Justin Bellerive. Landry face à Julien à la mise en jeu. Julien qui l'emporte. C'est pour Cousineau. La remise à son coéquipier à la pointe Boucher. Son tir partiellement bloqué. Retour libre dans le coin. Boucher veut s'en emparer. Finalement, elle décide de laisser à Julien. Le relais pour Cousineau. Passe soulevée. À Talbot. Surveillé étroitement. Et c'est Gauthier qui va s'amener au centre du revers. Bon travail de la part de Thomas Gauthier là-dessus. Ça va permettre aux siens de gagner quelques secondes. Gauthier qui chute au centre. Se relève. Incursion de Talbot en zone adverse. Talbot qui conserve le disque. Le relais via la rampe jusqu'à Boucher. La rondelle était bon du centre. Réussit à conserver cependant. Et à nouveau Gauthier, on l'a accroché. Et ça va mettre un terme à l'avantage numérique des Griffons. Oui, Justin Julien qui s'en veut. Il a accroché, fait chuter son rival. Et ça met un terme après 55 secondes à l'avantage numérique des Griffons. On va donc poursuivre avec des formations réduites à 4 contre 4. Et transporter la prochaine remise en territoire des Griffons. Ce sera à la gauche du gardien Mathis Lafontaine. Les instructions fournies par l'officiel au banc des Griffons. Je pense qu'on a refusé un changement. On va demander à Girard de demeurer dans la mêlée. Et on est installé au cercle de mise en jeu. C'est justement Girard qui va s'emparer du disque après la remise. Ralph Gagnon tente une remise arrière, mais on a prévu la manœuvre du côté de Pierce Lance. Son relais est bon pour Fortin. Rapidement, on s'amène hors l'aile. Le tir repoussé par Medina. Bataille le long de la rampe. Pierce Lance seul de son camp. Et c'est Bizier qui va reprendre. Bizier perd aussitôt. Il y aura une autre punition au Griffon.
On a fait sauter le bâton des mains de Bizier pour avoir... je pense que le geste indique retenu, mais quoi qu'il en soit, c'est punition. Au numéro 11, Caleb Pierce-Lance pour coup de bâton, indique-t-on. Ce sera donc à 4 contre 3 en faveur des Filons. Et dans 42 secondes, ben, ce sera un double avantage numérique puisque la punition de Justin Bellery prendra fin. Ça signifie qu'on aura 55 secondes d'avantage numérique à 5 contre 3. Une séquence importante là, qui s'amène. Aubert et Dufour en attaque pour les Filons, Chapdelaine et l'autre Dufour, Justin, le défenseur. À 4 contre 3, avantage numérique qui débute pour Thetford. On a inscrit nos deux buts sur le jeu de puissance dans ce match. Chapdelaine à Dufour, à Chapdelaine. Il s'avance à Dufour à nouveau. Dufour pour Chapdelaine. Pendant ce temps, c'est le capitaine Aubert qui est posté devant le gardien. Tente de lui obstruer la but. Venez de se frapper de Chapdelaine. C'est bloqué. Et la rondelle va bondir jusqu'au centre après avoir touché Cousineau. Et dans 20 secondes, Bellerive sera de retour dans la mêlée. On sera à 5 contre 3 du côté de Thetford. Moment important. De Dufour, Justin celui-là, à Chapdelaine, vers Aubert. Aubert hésite, conserve le disque. Bellerive qui s'apprête à quitter le cachot. Chapdelaine demeurera-t-il dans la mêlée? Bellerive ou ira-t-il Aubert, remplace par un coéquipier? Oui, on le rappelle, Aubert rapidement. Et c'est Goulet qui vient de sauter dans la mêlée à 5 contre 3. Et là, tout vient de tomber au tableau indicateur. Il n'y a plus rien qu'à faire. On vient de ramener le tout. 46 secondes à la première des deux infractions. 1 minute 6 à la seconde. Et la rondelle qui disparaît. De l'autre côté de la baie vitrée, on va reprendre en territoire des Griffons à la gauche du gardien La Fontaine. 41 secondes à la première punition, 1 minute 4 à la deuxième. Un moment important pour les deux équipes, s'il en est un, et tellement que Martin Bernard va opter pour utiliser un de ses temps d'arrêt pour y aller de ses directives à ses équipiers. Maxime Villeneuve-Ménard qui va très certainement tellement faire de même au banc des Griffons. Il y a des instructions pour défendre le territoire des Griffons contre cette double attaque massive des Filons. On est dans un moment important de ce match. Avantage numérique de deux hommes, les Filons. Ils ont inscrit leurs deux seuls buts de cette façon en avantage numérique. Les Griffons qui ont été parfaits à 5 contre 5. On y va ses meilleurs éléments d'un côté comme de l'autre. En attaque pour les Filons, en défensive, ce sera Boucher, Cousineau et Chenard, désignés par Villeneuve-Ménard. Et sans surprise, ben, c'est le gros trio pour les Filons. Robert, Dufour, Goulet, les pointeurs seront Dufour et Chapdelaine. C'est Chapdelaine qui reçoit le disque de son coéquipier Dufour. Le tir devant le filet, l'arrêt, pas de retour concédé. C'est écoulé quelques secondes là-dessus. 34 et 57 secondes aux deux punitions de Julien et de Pierce Lance. Paris qui va sauter dans la mêlée en remplacement de Chénard maintenant. C'est lui, Paris, qui va s'installer pour la mise en jeu face à Aubert. Ce sera repoussé jusqu'à la ligne bleue. À Chapdelaine pour Goulet. Chapdelaine, permutation avec Dufour. La remise à ce dernier, il s'avance, le tir, ça touche le poteau, le retour est libre. Chapdelaine quitte son poste de défenseur pour appuyer l'attaque. Retour via la rampe jusque derrière le filet, dans le coin. Le Goulet à Dufour pour Chapdelaine. Chapdelaine veut attirer un joueur, lui c'est Paris en l'occurrence. La remise de Dufour a été touchée par Boucher, ça lui revient des mains de Goulet maintenant. À Chapdelaine, plus que 5 secondes à la première des deux infractions. À Dufour, Aubert, le tir. Le retour est libre derrière le filet. Julien de retour dans la mêlée. On est à 5 contre 4. Encore 20 secondes à écouler à la punition de Caleb Pierce-Lance. Goulet, ça a été touché en défensive. C'est maintenu cependant par Chapdelaine à la ligne bleue. On devra se méfier de la sortie de Pierce-Lance en quelques instants du côté des Filons. Dufour, la remise à Chapdelaine. Ne trouve pas d'ouverture en se retournant. Un tir, ça touche la baie vitrée. Et la punition se termine à l'instant. On a tenu le coup du côté des Griffons. À 5 contre 3 ou à 3 contre 5, si vous le préférez. Et le dégagement jusqu'au centre avec Fauché qui venait de sauter dans la mêlée. Ça en perd du disque. Il faudra se rappeler de ce moment, un double avantage numérique dont les Filons n'ont pu profiter et qui aura vu les Griffons résister. On est toujours à 2 contre 2, à 2-2, le pointage. Vincent, dans le coin, du revers, passe soulevé. Simoneau, le relais pour Boulet. Il s'amène en zone adverse. Boulet ne peut décocher, contourne le filet, tente de conserver le disque,
C'est fait. En freinant, se retourne brusquement, veut revenir derrière le filet avant de ramener le disque devant. C'est fait pour son coéquipier Nadeau. Nadeau tente de gagner de l'espace additionnel. Ça ira à faucher, dont le tir est bloqué en défensive. Et la remise de la marche en direction de Dion, un peu long pour ce dernier. C'est derrière le filet maintenant. À Vincent, qui est aussitôt plaqué par son rival Parent. Ça va permettre à Chénard de poursuivre sa course derrière le filet. Mise en échec là, de Parent. Au dépens du porteur du disque, Simoneau. Le relais en direction de Boulet qui n'a pu saisir cependant. Et c'est Pearsons qui va retourner les filons profondément dans leur territoire. Autre mise en échec de Parent. Il a été solide sur la dernière séquence, Parent. Et un dégagement là, qui a touché le filet protecteur de la part de Fauché. Le jeu qui est rappelé. Et on va reprendre à la gauche du gardien Tyler Medina. Medina qui a concédé deux buts en deuxième période. Lui qui n'en avait permis que 10 depuis le début de la saison en 6 matchs. Donc Medina, quand on vous disait qu'il faisait de l'excellent travail depuis le début de la campagne, seulement 10 buts accordés avant les deux de ce soir. Talbot à la mise en jeu face à Nadeau. Ce sera gagné par Talbot, un tir de Payette qui ne se rend pas au filet. Gauthier veut reprendre. Ce sera fait par Vincent. Rondelle libre, Gauthier qui veut reprendre, veut s'amener au filet, mais rapidement contré, rejoint par deux adversaires. À la ligne bleue, les filons de Huppé à Mainville. Mainville pour Landry devant le banc des siens. Rondelle qui va revenir à la ligne bleue des filons. Mainville doit faire rapidement, il était pourchassé par Justin Julien. Rondelle qui est maintenue cependant en territoire de Thetford. Talbot, c'est pour Julien. Du revers devant le filet en se retournant. Tente de déjouer, mais la rondelle qui rate la cible. C'est repris par Talbot. Ennuyé par Mainville. Maintenu cependant à la ligne bleue. Le tir est celui de Cousineau directement dans la poitrine du gardien Medina qui ne cède pas de retour là-dessus. Vigilant. Il a vu venir le disque à lui et le conserve en sa possession. 5 minutes 49 découlées à cette troisième période. Les deux équipes qui ne se font pas de quartier. On gagne chèrement chaque centimètre sur la surface de jeu. Girard à la mise en jeu. C'est perdu aux mains de Landry. Bizier tente de conserver le disque au centre. Le remet avec le patin à son coéquipier, mais le jeu est difficile et ce sera repris finalement par Fortin. Revient dans son territoire. Fortin en direction de Paris. La rondelle était bonne distance. Ça lui échappe. C'est Huppé qui remet à Landry. Aussitôt, la collision, la dure mise en échec qu'il a subie de la part de Fortin. Se relève et c'est lui qui va poursuivre l'attaque en fond de territoire ennemi. Boucher maintenant ennuyé par l'échec avant pratiqué par Gauthier. Réussit sa remise néanmoins à son capitaine et là, le dégagement jusqu'en territoire de Thetford. Fortin revient à la charge. À l'embouchure, c'est pour son coéquipier. Le tir, le but marqué par le numéro 19, Mathis Fortin, qui donne donc les devants pour la première fois du match au Griffon. Un revirement en territoire de Thetford et on a capitalisé là-dessus. 3 à 2, les Griffons. Ils tiraient de l'arrière 2 à 0 et 3 buts sans réplique de leur part. Les Griffons qui donnent du fil à retordre au filon. Même s'ils accusaient 8 points de retard au classement sur les filons avant le match de ce soir, bien, il n'y a rien de facile pour les filons dans ce match. Au centre, rondelle qui ira à Dufour, à sa ligne bleue. Et un long tir jusqu'à la cage de La Fontaine qui défend bien celle-ci. Julien, un dégagement au centre. C'est repris par Dufour. Il faudra se rappeler, on vous l'a mentionné un peu plus tôt en période, le double avantage numérique des filons qui n'a pas produit. Et les Griffons qui reviennent par la suite pour briser cette égalité de 2 à 2. Dufour à la ligne bleue. C'est pour son coéquipier. Le tir était celui de Mathieu. Retour libre derrière le filet. Mathis Dufour maintenant tente de s'en emparer. Bousculé par Cousineau. Et c'est repris par Julien en direction de Talbot. C'est lui qui entre en zone adverse. Suivi de Julien. Lui cède le disque. Julien veut s'amener plus près devant dans la cage. C'est libre un instant. Balayé. Le tir de Boucher. Ça a été dévié par le bâton de Lame. Par-dessus la cage, cependant. Dufour devant le banc des siens. Bataille contre Lame. Il y a également l'arrivée de Aubert. Et ce sera saisi par les
Griffon, Bastien, en direction de Lame, à Bastien, remise arrière qui n'a pu saisir et c'est Simoneau qui ne peut cependant dégager, sortir de son territoire. Le tir de Bastien, bloqué en défensive. Dufour, oh, sûrement mis en échec, les coups d'épaule là, de la part de Martine. Et la rondelle qui revient dangereusement devant le filet. C'est maintenu à la ligne bleue. Le tir de Boucher, encore une fois, ça a été bloqué tout juste devant ou peut-être même par le gardien lui-même. Les Filons qui en ont plein les bras dans leur territoire dégagent jusqu'au centre. Ça revient à Boucher. Et pour Lame maintenant, Lame a aperçu son coéquipier Bastien. Oui, hors-jeu, Martine qui l'avait devancé à la ligne bleue. Eh bien, les Filons qui en ont plein les bras. Et allons-y avec la confirmation du troisième but des Griffons. Mathis Fortin, son deuxième du match, son quatrième de la saison, avec des aides à Timothée Girard et à Mathis Paris. C'est un revirement qui a mené à ce troisième but. Les visiteurs. Chapdelaine tente d'échapper à la surveillance de Parent. La remise à Goulet, puis à Bizier maintenant. Bizier au centre. Tire de loin. Rondelle qui longe l'arrière du filet. C'est Girard qui est là le premier pour saisir le disque. Girard s'arrête en direction de Payette. Intervention de Goulet. Dans l'enclave, on veut remettre à Bizier qui n'a pu tirer. Rondelle qui est bon du centre. C'est touché au vol et ça va demeurer en territoire des Griffons. Payette. C'est pour Cousineau. Cousineau, ça a été effleuré et ça va glisser jusqu'à la ligne bleue des Filons. Chapdelaine dans son territoire. Chapdelaine doit revenir jusque derrière son filet pour chasser par Girard. Veut lui échapper maintenant. Chapdelaine a vu l'ouverture, transporte en zone adverse, décoche un tir, c'est bloqué défensivement. Ça revient dangereusement devant et c'est encore une fois Lafontaine qui aura le dernier mot. Immobilise le disque devant Thomas Gauthier qui souhaitait un retour qui n'est pas venu. Les changements apportés par les deux entraîneurs. On approche la mi-troisième période. Les Filons qui avaient inscrit leurs deux buts en première période et depuis ce temps, là, depuis 8 minutes 57 en première, blanchi par les Griffons. La mise en jeu qui est effectuée. Et dès le départ, un tir repoussé par Lafontaine. Le retour qui est cependant concédé. Simoneau, il va d'un tir, ça rate le filet. À Fauché. Fauché, il y a un joueur qui a perdu son protège-cou, là, qui demeure sur la surface de jeu. Simoneau travaille derrière le filet, aux prises avec la marche. Gagne la bataille, conserve le disque, il travaille sur son revers, revient de son côté droit, veut remettre à l'intention de Landry, mais c'est raté. Et le dégagement, ça va se transformer en une remise pour Fortin, auteur de deux buts jusqu'à maintenant pour les siens, Fortin. Bellerive, dégagement au centre. Simoneau ne peut s'en emparer. Ça revient à la hauteur de la ligne centrale. Landry va entrer en zone adverse pour Bellerive. Devant la marche, un relais dans l'enclave, mais personne du côté des Filons pour recevoir la remise. Landry, à nouveau devant le filet. C'est Bellerive qui était étroitement surveillé cette fois par le numéro 11, Caleb Pearsons. Contre-attaque de Paris. Le capitaine le tire, l'arrêt. Et encore une fois, rondelle conservée par le gardien des Filons. Les Griffons qui aimeraient bien conserver cette priorité. Eux qui seront de retour dès demain. Gauche ici à Tetford Mines ce soir pour disputer la victoire à nouveau au Filon. Demain à compter de 15h. On sera au rendez-vous. On vous y convie à nouveau. Talbot l'emporte à la mise en jeu. Ça ira vers Cousineau. Il doit se défaire du 10 dans le coin. On s'amenait rapidement en cette direction. Aubert travaille dans le coin aux prises avec Julien. Rondelle qui ne peut être conservée à l'intérieur du territoire. On doit revenir au centre du côté des Griffons. À Boucher maintenant. Boucher, c'était en direction de Julien, la passe qui lui a échappé. Ça va se transformer en dégagement refusé aux visiteurs. 9 minutes 27. De plus en plus, là, on va jeter un coup d'œil au cadran. D'un côté, chez les Filons, on va trouver que le temps s'écoule rapidement. Et pas suffisamment au goût des Griffons. Un seul but qui sépare les deux équipes, 3-2 en faveur des Griffons de l'Outaouais. Dans le coin, rondelle qui est débattue et aussitôt, ça va franchir la baie vitrée pour se retrouver chez les spectateurs.
On devra reprendre du même endroit. À la gauche du gardien, Mathis Lafontaine qui n'a rien concédé depuis le milieu de la première période. Il a été parfait depuis ce temps. L'officiel vient chercher une nouvelle rondelle et va s'amener pour la remise en jeu. Bon, finalement, on avait récupéré celle qui était sortie de la patinoire. On est en mesure de reprendre. Julien, le long de la rampe, bousculé par Chapdelaine, mais ça n'empêche pas le disque de sortir du territoire. Mainville pour Aubert. Aubert, une feinte devant Julien. Remise arrière à Chapdelaine. Rondelle qui était bondissante sur son bâton. Ça revient à Cousineau. Voilà la sienne interceptée par Mainville. Cherche l'ouverture. Veut s'amener davantage près du filet. Le retour est concédé et ça va échapper à un peu tout le monde. La rondelle, et c'est le but égalisateur. Oh! Un jeu inusité. La rondelle qui a bondi et finalement, ça va choir derrière le gardien Mathis Lafontaine. Et c'est soudainement 3-3. Les Filons qui répliquent au troisième but des Griffons. Malheureusement, on n'a pas droit aux reprises télévisées. C'est un jeu inusité, la rondelle qui a bondi devant la cage du gardien de la Fontaine qui n'y pouvait rien. Et c'est à nouveau l'égalité. On donne un but sans aide à Mathis Dufour, son 10e de la saison à 11 minutes 6. Il faudra voir si on ajoutera des mentions d'aide, mais pour l'instant, on indique un but sans aide à Mathis Dufour. Dufour qui est le meilleur marqueur des siens cette saison. Martine, dans le coin, protège le disque. Le relais à Pierce Nance à la ligne bleue. Son tir bloqué. Et on va s'amener à 2-1 possiblement du côté de Thetford. La remise en direction de Simoneau, mais bien joué en défensive de la part de Lamarche. Boulet, plaqué le long de la rampe. Intervention de Lamarche pour tenter le dégagement. Une première fois raté, deuxième fois c'est réussi et complété jusqu'au centre. Dufour va retourner l'adversaire profondément chez lui. Autour des Filons, il a tenté de créer quelque chose. Punition qui est annoncée. Le gardien Medina qui est en direction du banc des siens. Tout indique que c'est un joueur des Griffons qui est pris en défaut. Je pense que c'est le 21, Lamarche. Martine. Le 22 étant Lamarche. Martine, oui. Alexandre Martine qui s'amène au banc de punition. Oh! Avec 8 minutes 20. Les Filons qui ont été productifs en avantage numérique ce soir. 2 en 5. D'abord, les deux premières fois, blanchis sur les trois occasions suivantes. Donc, rappelons-nous, à 5-3, là, on aimerait bien capitaliser sur celui-ci. Chapdelaine, au départ, au point d'appui. La remise est pour Goulet. Goulet, dans le cercle de mise en jeu, perd le disque. Ce sera maintenu cependant la ligne bleue par Chapdelaine. Chapdelaine devant Paris. La remise dans le coin de la patinoire, c'est pour Aubert. Permutation avec Dufour à la ligne bleue qui le retourne en direction de Aubert. Et dans le coin, Goulet veut rejoindre le devant du filet. Ça lui revient. Et jusqu'à Aubert, seul au point d'appui, puisque Chapdelaine avait quitté le tir de la ligne bleue de l'enclave de Dufour, bloqué et conservé par Lafontaine. Il s'est écoulé 28 secondes à la punition des Griffons là-dessus. 7,52 à faire à la période. Parent qui saute dans la mêlée. On va rappeler Chénard au banc. Et on s'installe à la mise en jeu. Ce sera reçu par Boucher. Tente le dégagement, mais Dufour a quitté son poste de défenseur pour conserver le disque en zone adverse. Et à la deuxième occasion, le dégagement est réussi de la part des Griffons. Chapdelaine doit se méfier de l'échec avant, oui, pratiqué par Parent. Dufour en profite pour reprendre le disque. Justin Dufour à Nathaniel Aubert. Entrée en territoire adverse, plaqué. Mathis Dufour dans le coin ne peut empêcher un joueur adverse de saisir le disque et de le diriger à l'autre bout. Une minute d'écoulée au désavantage numérique des Griffons. Ils ont résisté jusqu'à maintenant. 7 minutes 15 à faire à la période. C'est 3-3. Édouard Vincent. Dans son territoire. Remise arrière pour Bizier. Et de l'autre côté, entrée de Nadeau. Tire de loin, ça a été touché par Pierce Lance. Lamarche maintenant, par la rampe. Rondelle qui vole dans les airs, ça revient à Bizier. Cède à la ligne bleue. De Vincent à Fauché. Dans l'enclave, Bizier tente un tir, ça lui revient. Bizier, et le but marqué. Je pense que c'est Nadeau qui a complété la manœuvre. Rondelle qui s'est déplacée devant le filet.
On semble protester du côté des Griffons. On dit que ça touchait un patin, mais la décision va demeurer. Alors que Martine, lui, vient de quitter le banc de punition, rentre au banc des siens. Ce sera un troisième but ce soir en avantage numérique pour les Filons. Celui-là brise l'égalité. Il restait 30 secondes à la punition d'Alexandre Martine. Troisième but en avantage numérique pour les Filons. C'est 4 à 3 maintenant, Thetford. Là, on donne des explications au banc des Griffons à l'entraîneur Maxime Villeneuve-Ménard et on indique qu'on va reprendre au centre. Eh bien, il y a de l'action là, dans les derniers instants. Là, on va voir si on a confirmé l'identité du troisième marqueur. Non, pas pour l'instant. Troisième marqueur, en fait, du quatrième but des Filons. Non. Pardon, on y reviendra puisque le jeu a repris. Il y a eu des changements au sommaire. Fortin, dans son territoire. Remise arrière, c'est pour Payette. Pour Cousineau. À nouveau à Payette. Passe soulevée. On est en territoire des Griffons. C'était l'intention de Paris. On a pris la manœuvre et c'est Ralph Gagnon qui s'est interposé. Rondelle perdue. Et revenons au sommaire. Le but égalisateur marqué en avantage numérique était celui de Mathieu Nadeau. Son troisième de la saison avec l'aide de Benjamin Simoneau. Et Mathis Dufour, avec son dixième, lui vient de briser l'égalité à 11 minutes 6. C'est ce qu'on indique donc au sommaire. Alors, rectification par rapport à ce qu'on avait mentionné. Le troisième but, Défilon, qui crée l'égalité à 8-10. Mathieu Nadeau, son troisième, une aide à Benjamin Simoneau. Et le dixième de Mathis Dufour à 11-6, qui brise l'égalité, donne les devants 4-3 au Filon. Là, c'est Payette qui a des ennuis avec son protège-cou. C'était Gagnon, pardon, le 26. On annonce Mathieu Nadeau. C'était bel et bien Nadeau que je vous avais mentionné. Ben, c'est parce qu'on annonce seulement le troisième en ce moment. OK. Anticipe des dégagements, lui, au centre par Simoneau. Ben, ça revient à Boucher, à la ligne bleue des Filons. Mainville pour Nadeau. Nadeau se défait du disque. Le retourne derrière la cage de Lafontaine qui va remettre pour son défenseur Boucher. Revient sur ses pas. Boucher. Tente la longue remise, c'est accepté par son coéquipier Julien. Il doit attendre cependant la sortie de Parent qui était déjà à l'intérieur du territoire ennemi. À la ligne 2 des Griffons. Un peu plus de 5 minutes à faire à la troisième période. Un dégagement qui sera refusé aux Griffons. On devra subir une remise en jeu dans son propre territoire. Tout ça avec 5 minutes 20. On s'est échangé les devants dans ce match. Les Filons qui avaient pris l'avance 2-0 avant de voir une réplique de 3 buts consécutifs des Griffons. Et ces derniers, avec une avance de 3-2, voient les Filons revenir à leur tour avec 2 autres buts. C'est 4-3 Thetford. Chénard qui va sauter dans la mêlée en remplacement de Parent. Et on va s'insérer dans le cercle de mise en jeu à la droite de Mathis Lafontaine. Chénard devant Aubert. C'est Chénard qui l'a emporté. Ça permet à Boucher de reprendre. Un jeu intercepté cependant par Ralph Gagnon. Le tir est celui de Aubert. Retour qui est débattu entre Mathis Dufour et Pierce Lanz. Intervention en défensive de Chénard cependant. Et au centre, Boucher traverse la ligne centrale, dégage jusqu'au filet de Medina. Puis sagement, disons-le ainsi, préfère une remise en jeu dans son territoire plutôt que de permettre à l'attaque de s'installer chez les Griffons. Moins de 5 minutes maintenant à faire à cette troisième période. Les deux équipes qui ne cèdent rien. Cette fois, la mise en jeu, c'est Aubert qui est le meilleur sur Chénard. Ça permet à Dufour de reprendre, mais aussitôt talonné par Paris. Dans l'autre coin, Vincent, un peu plus loin. Rondelle qui revient au centre. À Aubert, tente de zinguer de l'espace, surveillé par Chénard. Ça ira en direction de Ralph Gagnon. Gagnon qui remet à l'intention de son capitaine. Aubert veut lui retourner le disque et c'est bloqué, conservé par Lafontaine.
Bonne décision de sa part, le gardien des Griffons. Les deux gardiens qui étaient les réservistes lors du match de dimanche dernier, puisque c'était Wyatt Harvey qui gardait le filet pour les Finons face à Zachary Major. Ce soir, les entraîneurs qui font appel à Medina et à La Fontaine resteront à voir la décision demain. On peut présumer que ce seront sans doute les deux autres gardiens qui seront d'office, mais attendons voir. Ce sera deux matchs en moins de 24 heures entre ces deux mêmes formations. Et on se réinstalle pour la mise en jeu. Ça ne fera pas de maître et finalement récupéré par Cousineau. Cousineau par la baie vitrée jusqu'à Dufour qui retourne le disque au centre à l'intention de Bellerive, mais on se met à deux pour tenter de le plaquer. C'est fait et ça va permettre à Cousineau de reprendre. Perdu cependant par celui-ci. La remise de Landry à Simoneau. Un contre un. Il a tenté une feinte, mais Lamarche n'a pas mordu là-dessus et ça permet à son coéquipier de reprendre le disque. Derrière la ligne début, Fortin. Il a inscrit deux des trois buts des siens, Mathis Fortin. Alors que Simoneau est rappelé au banc par son entraîneur, c'est Goulet qui vient de sauter dans la mêlée pour les Filons. Autour de Bellerive de se diriger au banc des siens. Moins de 4 minutes à faire de l'arrière du filet. Longue remise de Cousineau. Ce sera vraisemblablement un dégagement refusé. Oui, confirmé par le juge de ligne. On devra subir une autre remise en jeu dans le territoire défensif des Griffons. 3 minutes 45. On surveille étroitement le tableau indicateur. Le chronomètre, les deux juges de ligne, les deux officiels qui se consultent. On semble dire du côté des Griffons qu'on avait effleuré le disque et on ne veut pas subir de dégagement refusé, mais la décision sera maintenue. Dégagement refusé et remise en jeu en territoire des Griffons. Les Filons, en l'emportant, prendraient seul le premier rang qu'ils partagent avant la rencontre de ce soir avec les rebelles de Sorel-Tracy notamment et les Genois d'Alma. Remise à Goulet, à Gauthier-Lizire et ça a effleuré le poteau. Ça revient devant et récupéré par les Griffons avec Gagnon. Sonne la charge, ça mène en zone adverse derrière le filet de Medina. C'est Dion qui tente de conserver le disque, le perd aux mains de Huppé. Huppé qui veut protéger la rondelle, travaille d'une seule main, l'amène jusqu'au centre. C'est bien fait de sa part. Et Gagnon, dans un repli défensif, vers Pearson. Si on veut relancer l'attaque rapidement chez les Griffons. À la ligne bleue de Thetford-Doigt, un dégagement jusqu'en zone adverse. Pearson, derrière son but. Le changement quasi complet du côté des Filons. Et on fait de même chez les Griffons. Trois nouveaux attaquants qui viennent de sauter dans la mêlée. Mathis Dufour, Fortin plutôt. Il vient de sauter en compagnie de son capitaine Paris. Rondelle qui est en territoire de Thetford. Nadeau maintenant, un contre un seul défenseur. C'est Pearson qui lui fait face, mais repli de coéquipier pour venir lui prêter main forte. C'était Payette. Payette qui harponne le disque dans le coin. Le relance en direction de Paris. Remise du revers au centre, mais c'est Nadeau qui est là pour cueillir le disque. Chute en entrée de zone. Rondelle qui est libre et reprise finalement par Julien. Remet derrière pour Fortin qui veut échapper à la surveillance de Boulet qui fait du bon travail là-dessus. En compagnie de Nadeau maintenant qui va entraîner son rival dans le coin. 2 minutes 22 à faire à la troisième période. Julien. Et on faudra jeter un coup d'œil lorsque les Griffons seront en mesure de quitter leur territoire. Est-ce qu'on rappellera le gardien Mathis Lafontaine au banc à la faveur d'un sixième patineur? Mais ce ne sera pas pour l'immédiat puisque la remise en jeu va s'effectuer. Oh, on indique que ce sera tout juste à l'extérieur du territoire des Griffons. Avec 2 minutes 15 à écouler à la troisième période. Aubert face à Talbot. Rondelle qui sera reprise finalement par les Griffons jusqu'au centre. C'est débattu à plusieurs joueurs. Chapdelaine. Un lob au centre. C'est bondi, ça bondit à la ligne bleue des Griffons. Et c'est Talbot qui s'amène en zone adverse. Talbot, un tir, repoussé de la jambière. Long retour concédé. Et ça va quitter le territoire jusqu'au centre. Boucher, il n'y a plus de gardien devant le filet des Griffons. On est à 6 patineurs maintenant. Fortin veut entrer en zone adverse. Rondelle qui est bondissante. Et Aubert qui ne peut sortir. C'est Boucher qui va d'un tir par-dessus le filet. Le retour est libre. Ce sera conservé par Cousineau derrière la cage. C'est une dure mise en échec. Rondelle qui est débattue entre deux joueurs et ça va se retrouver chez les spectateurs. Il y avait beaucoup de chandails bleus. On est à 6 en territoire ennemi pour la prochaine remise en jeu.
Tout ça avec 90 secondes à faire à la troisième période. On joue le tout pour du côté des Griffons. Et autre temps d'arrêt appelé, celui-là par les Griffons. Ce sera des directives d'usage aux joueurs des deux équipes. On a le droit à toute une fin de match. Les Griffons qui ne sont pas venus ici pour être de simples visiteurs ce soir. Ils nous offrent toute une opposition au filon. Alors qu'on aperçoit au banc des filons, bien, je peux vous confirmer qu'on fait de même les instructions qui sont données aux joueurs des Griffons. Et on va s'amener pour cette importante mise en jeu. Ce sera à la gauche du gardien Tyler Medina. Rappelons qu'il n'y a plus de gardien devant la cage des Griffons. Mathis Lafontaine qui a cédé sa place à un sixième patineur. On dirait qu'il est posé. C'est récupéré par Vincent, mais il ne peut compléter le dégagement. C'est maintenu en territoire défensif des filons. Derrière le but, Dufour qui chute en tentant de reprendre. Ça ira jusqu'à Cousineau, mais la rondelle a quitté le territoire. On doit revenir au centre et faire rapidement du côté des Griffons. Pour Boucher, en direction de Fortin, mais ce sera dégagement refusé. Oui, on a pu saisir le disque chez les Griffons et ça va certainement forcer l'entraîneur Villeneuve-Ménard à retourner. Oui, le gardien de la Fontaine devant sa cage. Avec 1 minute 8 secondes, on argumente là. On ne l'aperçoit pas à l'écran, c'est Boucher là, qui discute avec l'officiel. Il vient d'apparaître à l'écran. Il retourne dans son territoire. On protestait contre le dégagement refusé, prétextant qu'on avait touché au disque. Cette fois, rondelle qui se retrouve dans le coin. Cousineau, la remise pour Boucher. Il s'est intercepté par Simoneau et retourné en direction du filet adverse. Boucher, deuxième tentative. À nouveau, c'est conservé cette fois par Landry. Landry s'amène dans le coin alors qu'on annonce la dernière minute de jeu de cette troisième période. Du côté des filons, on va tenter de conserver le plus longtemps possible la rondelle immobilisée dans le coin afin de conserver l'écoulée des secondes. Simoneau ne peut conserver le disque. Ça reviendra au centre et de là, repoussé par Vincent. Intervention du gardien La Fontaine qui va céder le disque à son coéquipier Talbot et il va s'amener du même moment au banc des siens et ce sera le tir de Ralph Gagnon hors cible cependant. 28 secondes à faire à la période. Le temps d'une autre attaque de la part des Griffons. C'est Paris qui entre en zone adverse. Territoire de Thetford. Paris du revers jusqu'à Fortin. En se retournant, Aubert tente le dégagement et ce sera bon. Et en direction de Ralph Gagnon qui va s'entêter inscrire un dernier but pour les filons. Ça va concrétiser la victoire des Thetfordois par la marque de 5-3. Ce n'aura pas été facile pour les filons ce soir. Les Griffons qui se sont bien battus. Eux qui s'étaient inclinés 5-2 à la maison dimanche dernier et qui ont chèrement vendu leur peau ce soir. Ils ont offert toute une résistance et ils ont fait une bonne crainte au filon pendant une bonne partie de la soirée, ayant même pris les devants 3-2. Eh bien, ça met la table pour tout un autre affrontement entre ces deux équipes dès demain après-midi, 15h. Rendez-vous ici même au centre sportif Renault Fournier, secteur Black Lake à Thetford Mines, alors que les dernières secondes de ce match s'écoulent et qui vont confirmer la victoire des filons du cégep de Thetford par la marque de 5-3. Le temps d'aller confirmer le cinquième but inscrit par Ralph Gagnon, son septième cette saison. Une aide au capitaine Nathaniel Aubert, un but inscrit dans un filet désert à 19 minutes 48. Victoire donc par la marque de 5-3 des filons aux dépens des Griffons du cégep de l'Outaouais. Et comme on vous le mentionnait, on est en droit de s'attendre à un autre excellent duel demain à compter de 15h entre ces deux mêmes formations. On vous invite à être à l'écoute. Nous, on y sera et on vous décrira toute l'action de ce match en vous rappelant la marque finale. Donc ce soir à Black Lake, secteur Black Lake à Thetford Mines. Victoire des filons du cégep de Thetford par la marque de 5-3 aux dépens des Griffons d'Outaouais. En souhaitant que ce reportage vous ait plu, on vous souhaite une bonne fin de soirée, mesdames, messieurs. On vous dit à la prochaine, dès demain. À la prochaine. Bye-bye tout le monde.